Plus de 100 projets, 12 en demi-finale, 7 en finale, 1 800 000 francs CFA à gagner, 3 lauréats et le concours Tifertile qui tire donc vers sa fin. Alors, plus ça tire vers la fin et plus ça devient délicat et vous vous demandez certainement quels sont les projets qui vont repartir avec ces prix. Alors, vous allez le savoir tout à l'heure parce que nous allons accueillir ici le jury qui va délibérer et nous allons également accueillir nos candidats pour leur dernier speech. Avec donc votre complicité, j'aimerais appeler ici le président de notre jury, Monsieur Michel Dorquenou. Il nous vient de Aura Bank. Merci de l'accueillir. Monsieur Dorquenou est secondé donc par Monsieur Kwami Obosu. Il est le rapporteur de ce jury. Il nous vient de l'Office togolais des recettes. Notre troisième membre du jury, c'est Madame Bileyo Donko. Elle est membre du jury. Elle est également la présidente de l'association Terreau Fertile. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Le dernier membre du jury, j'aimerais accueillir M. Komi Aoku. Il est membre et il nous vient du PNUD. Merci infiniment à notre jury de nous avoir rejoints. Je sais que nos internautes, toutes les personnes qui nous suivent sont très, très, très curieuses de savoir justement quels sont les prix à gagner. Je vais le rappeler rapidement. Vous avez 1 million de francs CFA pour le prix meilleur projet d'entreprise, 500 000 francs CFA pour le prix meilleur entrepreneur femme et 300 000 francs CFA pour le prix vote du public. Mais vous vous demandez également sur quels critères d'évaluation on va choisir justement les trois projets qui vont remporter ces prix. Et j'aimerais déjà saluer la présence de notre jury et passer la parole au président du jury. Monsieur Michel Dorquenou, la parole est à vous. Bonsoir. Alors, je m'en vais rapidement donner la grille d'évaluation des candidats à cette finale du concours Tifertile. Les critères sont maintenant synthétisés en 5 points. Premier point. Il s'agira d'apprécier la présentation du projet et du produit offert par le candidat. Deuxième critère, nous allons apprécier la nature novatrice du projet. Quelles sont donc ses caractéristiques et en quoi le projet apporte une nouveauté. Troisième critère, il s'agit de passer en revue la faisabilité technique. Alors, je précise qu'il s'agit d'apprécier à quel point l'idée est réalisable, identifie un problème dans la société et le solutionne. À ce point également, nous allons parler du modèle économique qui doit être pertinent et ensuite la rentabilité du projet. Au quatrième critère,
nous aurons à parler, à examiner le marché auquel le projet s'adresse. Pour le passage, son potentiel commercial. Numéro 3, voilà. L'importance de la concurrence, le positionnement. Dans le rang de passage. Au fait, dans le rang de communication, dans le rang de passage, comme les deux et sont donc le premier et le deuxième. Les éléments que nous allons examiner à ce niveau s'agissant donc du critère de marché et de plan marketing. Non, non, quand, attention. Et en dernière position, nous allons examiner chaque candidat en ce qui concerne son projet, l'engagement, la motivation et la conviction de l'équipe chargée de mettre en œuvre ce projet. À ce niveau, nous apprécierons aussi la qualité du speech, la maîtrise qu'ils ont de leur projet, l'expérience de l'entrepreneur et de son équipe. Je vous remercie. Voilà. Alors, maintenant que nous connaissons donc les critères d'évaluation pour cette finale, nous allons accueillir un à un nos candidats et j'aimerais rappeler la formule, elle est simple. Hier, nous avions commencé à accorder 10 minutes par candidat pour présenter son projet et répondre également aux questions de nos jurys. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre dans la même lignée en accueillant le premier candidat de cette finale. J'aimerais inviter ici le candidat Fadila Stogo du nom d'Acha Dedi Sani. Candidat, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour monsieur le président du jury. Bonjour chers membres du jury. Bonjour, madame la présidente de l'association Terreau Fertile. Je suis M. Acha Dedi Sani, titulaire d'un Master 2 Management des entreprises, précédé d'une licence en communication multimédia et négociation internationale et d'un BTS Action commerciale force de vente. Je suis promoteur de l'établissement Fadila Stogo. Fadila Stogo, c'est un établissement qui fabrique et qui vend deux types de produits. Le premier, nous avons des lampadaires solaires. Lampadaires solaires pour éclairer nos routes principales, les routes secondaires, les routes tertiaires, et puis les particuliers en achètent aussi. Dans un second temps, nous fabriquons aussi des poteaux électriques pour les compagnies de sociétés électriques. Aujourd'hui, tout le monde sait, quand vous sillonnez les quartiers, ce n'est pas rare de voir des poteaux électriques qui sont penchés, carrément tombants. Et quand un poteau tombe, ça prive tous ceux qui sont sur la ligne d'électricité. Et la réparation ou le changement du poteau ne se fait pas en un seul jour, dans tous les cas. Chers membres du jury, monsieur le président du jury, madame la présidente de l'association, je vous ramène en janvier 2019, dans le quartier d'Agoué à Djouba, où j'avais un ami très cher qui allait se marier le lendemain. Je vous assure, la veille, j'étais là à 23h, c'est mon téléphone qui sonne, l'ami m'appelle, il me dit qu'il n'y a pas d'électricité. J'ai dit, comment ça? Alors que demain, tu vas accueillir ta nouvelle femme. Il a dû emporter son sac avec les vêtements qu'il allait porter pour le mariage chez moi la nuit là, pour les faire repasser. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Le quartier restait 3 jours durant dans l'obscurité. Parce qu'un seul poteau pourri, un poteau en bois pourri, a chuté. J'ai dit, ce n'est pas possible. Il faut trouver une solution à ce phénomène. Vous constatez avec moi, dans les rues, une fois la nuit tombée, c'est l'obscurité. Des fois même, vous voyez des routes où il y a des lampadaires, on dirait une lampe ou une bougie allumée. C'est-à-dire, vous voyez quelque chose qui fait semblant d'être allumé, mais ça n'éclaire pas. L'établissement Fadila Stogo a fabriqué et installe des lampadaires solaires avec des lampes solaires directes et LED, des lampes bien blanches. Vous savez, il y a des lampes à incandescence qui ont couleur argent et des lampes purement blanches comme les vêtements que je porte. Monsieur le président du jury, chers membres du jury, madame la présidente de l'association, aujourd'hui, l'événement que vous êtes en train d'organiser, vous ne pouvez pas. Il y a vraiment une portée internationale. Les gens ont voté par ligne sur le plan mondial. Les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? On a déjà voté. J'ai un ami en Belgique, il a appelé, il dit, mais
En février, on a voté pour l'élection présidentielle. Il y a quel vote encore? Je lui ai dit non, que c'est une association qui est en train de faire de bons trucs. Vous êtes un incubateur. Monsieur le président du jury, je voudrais vous rappeler, avec vos membres de jury, vous exprimez mes félicitations. N'est pas président du jury, un membre du jury qui veut pour un tel événement. Madame la présidente de l'association, vous ne pouvez pas imaginer ce que vous êtes en train de faire pour ce pays. Vous êtes en train de montrer à la face du monde les talents cachés de ce pays. Fadilas Togo ne va pas vous décevoir. Le prix que nous sommes en train, au niveau de Fadilas Togo, d'espérer savoir le premier prix, ce n'est pas le prix de l'établissement. C'est pour tous les Togolais et toutes les Togolaises. Parce que ce que nous sommes en train de faire, je ne sais pas, la partie technique, s'il vous plaît, depuis décembre, nous sommes en train de mettre des lampadaires solaires dans les villages. Sotoubwa, Tchamba. Et nous mettons dans les établissements pour que les enfants puissent apprendre la nuit. C'est des lampes automatiques qui s'allument à partir de 18h15 et s'éteignent le lendemain à 6h du matin. Nous sommes en train de les placer au niveau des dispensaires aussi. J'ai été ému dans un village qu'on appelle Aloupabundu, à Sotoubwa, dans un dispensaire où on a amené un seul poteau plus lampadaire. C'était comme une fête traditionnelle. Le médecin me dit qu'ils n'ont même pas de lumière pour la salle d'accouchement. Vous pouvez imaginer, les femmes accouchent dans le noir. J'ai amené un seul lampadaire. Ils ont applaudi. J'ai dit, mais il y a du travail sur le terrain alors. Je voudrais compter sur vous, monsieur le président du jury, cher membre du jury, madame la présidente de l'association. Allez dire aux autorités de ce pays qu'il y a un établissement qui va éclairer toutes les routes principales, les routes secondaires, les routes tertiaires, les quartiers comme Ségbé, où le grand banditisme, une fois la nuit tombée, les bandits qui viennent de Ghana, pour la plupart, font des braquages parce qu'ils profitent de l'obscurité de certains quartiers. Je vous remercie. Oui, j'ai une question. Merci pour votre présentation. Alors, ma question, elle est relative aux intrants que vous utilisez pour réaliser vos poteaux. Est-ce que qu'est-ce qui est produit localement, qu'est-ce qui est importé en termes de pourcentage? Je veux aller. Okay. Merci pour la question. En réalité, comme j'ai dit, les poteaux, nous avons deux types. Il y a un poteau spécialement conçu pour la sûreté. Et un autre poteau conçu pour accueillir les lampadaires solaires. Nous avons les lampadaires à un bras pour certaines routes que vous connaissez, les lampadaires à deux bras pour des boulevards. Maintenant, au niveau de ce que nous utilisons, j'ai bénéficié, heureusement, de l'appui technique de certaines personnes très chevronnées sur le plan technique qui m'ont appuyé pour aller un peu plus dans le fond de ce que nous mettons. Le poteau, c'est un poteau galva. Un poteau galva à une partie donnée qui a été renforcé. Si vous avez les images, vous allez voir. Renforcé par du béton armé avec du fer à béton. Parce que des fois, vous allez voir sur les routes des poteaux qui sont tamponnés par des véhicules et ça se casse. Donc j'ai pu remédier à ça en mettant du micro-béton très solide. Et puis c'est un poteau à vis. Ça veut dire qu'on peut le déplacer. Aujourd'hui, si vous achetez un poteau, vous mettez devant votre maison. Demain, si vous voulez déménager, par exemple, moi, je fais déplacer. Ça vous suit. En termes de prix sur le marché, pouvez-vous nous donner les prix des poteaux classiques et ceux des vôtres en termes de comparaison? En termes de prix, au niveau des lampadaires solaires, je suis carrément à moitié prix. Et le prix est de combien? Pour les concurrents que vous avez identifiés. Les concurrents, vous avez trouvé 320 000, 350 000. Parce que j'ai mené une enquête avant de fixer mon prix. Alors que moi, je vais jusqu'à vendre à 150 000 unités à partir d'un certain nombre donné. Ça fait combien de temps que vous installez les poteaux? S'il vous plaît? Vous installez les poteaux, ça fait combien d'années?
On a commencé en décembre 2019. D'accord. Maintenant, vous êtes face à une situation où il y a des poteaux qui existent depuis peut-être 20, 50 ans. Oui. Avant de subir peut-être le coup des termites. Voilà. Et vous avez un poteau qui a commencé à être mis en place peut-être il y a 1 ou 2 ans, voilà. Selon votre technique. Voilà. Qu'est-ce qui nous convainc aujourd'hui qu'il va durer dans le temps plus que ce qui est fait? Effectivement, mon poteau va durer dans le temps parce que au niveau de mon poteau, j'ai utilisé des matériaux, au niveau des vis et des écrous, j'ai utilisé des trucs galvanisés. La rouille ne peut pas attaquer. Ça, c'est vous qui le dites. Mais là, est-ce qu'il y a un laboratoire qui a testé en termes de résistance, par exemple? Bon, effectivement, comme je disais, j'ai eu l'appui des techniciens de certaines sociétés qui m'ont aidé à mettre au point. J'ai fait 6 mois dans ça avant de mettre au point les premiers prototypes. La CET, vous avez déjà des symboles de commande? Ça fait 2 semaines que la direction TEP est en contact avec moi pour une éventuelle commande. Sinon, le document est déjà à leur niveau. On a déjà fait plus de 3 échanges déjà avec eux. Ils sont convaincus. Vous employez combien de personnes? Pour le moment, nous sommes au nombre de 5. Merci beaucoup, M. Kadegui. Moi, je voudrais savoir si vous connaissez qui sont ceux qui distribuent effectivement vos produits. Est-ce que c'est vous-même ou bien il y a d'autres distributeurs de vos produits sur le marché? Présentement, c'est moi-même qui distribue. Parce que oui, oui. D'accord. Mais dans vos documents, vous dites que c'est les Chinois, les Indiens. Non, au fait, là-bas, c'est les concurrents. C'est là où j'ai cité les. Ils ont dit les concurrents. C'est là où j'ai cité les Chinois. Deuxième chose, sur quoi vous comptez? Parce qu'au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires, vous dites que vous partez de 9 millions, où vous avez déjà commencé, 9 millions de chiffre d'affaires annuels, pour aller au bout de 3 ans à 20 milliards. Ça, c'est une évolution très exponentielle. Sur quoi vous comptez pour atteindre cet objectif en un seul laps de temps? Vous venez de poser une question très pertinente. La photo que nous avons conçu, ce n'est pas seulement pour le Togo. Je vous dis que le même constat, des poteaux pourris, en bois pourri, quand on a fait les enquêtes, c'est dans presque tous les pays de l'Afrique. Donc ce que nous sommes en train de vendre, ce n'est pas seulement pour le Togo, c'est pour aussi les autres pays de l'Afrique. C'est pour ça que nous avons estimé à ce prix. Est-ce que vous êtes sûr, quelle stratégie de communication ou véritablement de marketing vous comptez pour pénétrer le marché? Il faut dire que vous n'êtes pas le seul, le marché n'est pas aussi vierge que vous le pensez. Bien sûr. Et pour pouvoir atteindre cet objectif, vous comptez sur quelle stratégie? Au fait, nous sommes en train de compter sur la stratégie de partenariat. Nous avons cherché des partenaires dans les pays de la sous-région qui sont dans le domaine que nous avons vu qu'ils en ont aussi besoin. Donc avec le partenariat, nous pouvons commencer à exporter nos poteaux de les pays de l'Afrique. Monsieur le Président, Monsieur Atiadidi, bonjour. Bonjour, Madame la Présidente. Je suis, en tout cas, votre projet, et je le trouve intéressant parce qu'il est d'une utilité publique également, c'est-à-dire l'éclairage dans les zones reculées, dans les zones rurales. Voilà. Donc, moi, il y a une petite question qui me turlupine. Voilà. Et que je voudrais peut-être que vous éclairiez ma lanterne là-dessus. Voilà. Il a abordé en fait la question tout à l'heure de comment vous êtes sûr de la qualité des produits que vous mettez sur le marché. Parce que je suis tout à fait d'accord qu'il faut aller vers les produits ou encourager la production locale et la consommation locale. En même temps, il faudrait s'assurer que ces produits sont de bonne qualité. Donc, qu'est-ce qui nous donne l'assurance aujourd'hui que vous avez des poteaux qui répondent aux normes? Et quelles normes sont-ils d'abord? J'ai essayé de jeter un coup d'œil sur Internet là pour regarder quelles sont les normes qui sont relatives à la fabrication des poteaux électriques en cuivre, en galva, c'est ça? Oui. Voilà, donc je n'ai pas encore eu le temps de pouvoir les trouver, mais éclairez-nous un peu là-dessus, parce que ce qui est intéressant, parce que vous parlez d'exportation également. Oui. Pour exporter, il faut vous assurer justement que la qualité y est, que ça réponde aux normes. D'accord. Et donc,
Dites-nous exactement comment vous travaillez dans ce sens. Pas produire pour produire. Effectivement. Merci, Madame la Présidente. Au fait, au niveau des normes, qu'est-ce que, comme il y a le confrère, il avait dit, monsieur Alcourt avait dit, c'est un truc que nous avons fabriqué, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Puisque, imaginez, c'est des trucs purement techniques. Chaque aspect du poteau est technique. Donc, ce que nous employons, par exemple, il y a une partie du poteau où on trouve un isolant. Parce que nous avons appris qu'il y a les poteaux qui électrocutent les gens. Parce que les poteaux galvaux, quand il y a grondement éclair, il y a des courants qui passent, les gens sont électrocutés. Donc nous, on a même mis une matière plastique pour envelopper les micro-béton. Nous avons cherché au niveau de l'Institut LNBT, pour ceux qui connaissent LNBT au niveau de Cacavelli, c'est là où moi j'ai reçu l'appui financier et technique. Techniciens par rapport au micro-béton que nous avons mis et par rapport au type de fer que nous mettons pour renforcer le béton qui est à l'intérieur. Le type galva, vous savez, aujourd'hui, quand on voit les poteaux en ville, il y a des poteaux de 9 mètres, par exemple, des poteaux de 12 mètres et de 15 mètres. La taille des poteaux, que ça soit en épaisseur, n'est pas la même. Donc, nous avons trouvé... Avant de fabriquer, comme j'ai dit, moi j'ai approché la direction technique de la société qui m'a fourni techniquement ce qu'il faut pour chaque aspect sur le poteau. La seule chose qui manque, comme vous l'avez dit, il faut que je passe à la certification avant d'exporter. Nous sommes en train de travailler là-dessus aussi. Merci. Vous remercie. Merci beaucoup au premier candidat. Il nous a présenté le projet Fadilas Togo. Je rappelle que nous étions avec M. Acha Dedi Sani. Et nous allons accueillir à présent le deuxième candidat avec le projet Loïv. Il s'agit de Mademoiselle ou Madame Bakole Badjoubna. Pardon. Madame Bakole Badjoubna Elsa. Qui va arriver dans quelques instants. Et pendant ce temps, je veux juste rappeler que chaque candidat bénéficie de 10 minutes pour présenter son projet et également répondre aux différentes questions de notre jury. Et vous qui nous regardez, justement, je vous invite également à partager ce direct et surtout à rester en notre compagnie. Merci. Nous accueillons Madame Bakole Elsa pour le projet Loïv. Candidate, présentez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis Elsa Badjoubna Bakole. Je suis activiste. Et lorsque on est activiste de défendre et qu'on défend les droits de la femme et qu'on rencontre des ingénieurs, on rencontre des informaticiens, ça donne l'OAV. L'OAV, c'est quoi? L'OAV, c'est la proposition que j'ai et c'est une application mobile et web qui vient pour faciliter, pour amener une solution adéquate au problème de violence sexuelle dans notre pays et dans le monde. Cette application a pour but de faciliter la dénonciation au sens où, comme je l'ai dit au début, en tant qu'activiste, je reçois par semaine environ 3 cas de violence sexuelle. Et très souvent, c'est derrière le téléphone. Lorsque vient le moment de parler face à face, ce n'est jamais facile pour la victime. J'ai accompagné la maman d'une victime mentalement atteinte au poste de commissariat pour porter plainte. Et on nous a littéralement jetés dehors. La maman de cette fille, une dame de 60 ans, a coulé des larmes. Puis j'ai rencontré les ingénieurs et on a eu la solution. Aujourd'hui, les victimes n'auront plus à se déplacer,
à arriver à raconter leurs problèmes à X, à Y, à Z, ainsi de suite, jusqu'à la justice ou ne jamais venir à la justice parce qu'elles sont fatiguées en route. L'OAV met en relation plusieurs organismes, plusieurs intervenants, le personnel soignant, les forces de l'ordre, les psychologues, les juristes. Ils les mettent tous en corrélation pour travailler avec les victimes afin que justice soit faite. De cette façon, la victime se sent en sécurité et dans une parfaite confidentialité et sûreté. Et donc, c'est pratique pour elle de pouvoir dénoncer et aller jusqu'au bout de son processus grâce à notre accompagnement. Au-delà de l'accompagnement, nous offrons également de la documentation. Et au-delà de la documentation, nous offrons également de l'écoute, des conseils et tout ce qui va avec les violences sexuelles que nous connaissons. Hier, j'ai présenté le même projet ici et je me suis attardée sur le côté social. Après, il m'a été difficile de défendre le côté économique, justement parce que je ne le suis pas et que je me suis beaucoup basée sur le social. Puis je me suis rappelée hier nuit la définition d'une entreprise sociale. Lorsqu'on dit un projet social, quelles sont les caractéristiques? C'est qu'il faut que ce projet d'abord puisse faire, ou cette entreprise puisse faire un chiffre d'affaires. Que cette entreprise sociale puisse également toucher des personnes vulnérables. Et d'abord, en avant, que cette entreprise puisse également toucher, faire plutôt 20 à 40% de son bénéfice rendu à des personnes vulnérables ou à des causes sociales. Et donc, tous ces critères rassemblés, je dis que mon projet est social, mais en même temps économique, d'autant plus que les abonnements sur le site. Lorsque vous arrivez, les conseils, l'accompagnement, tout est gratuit. Mais lorsque vous voulez accéder aux services personnalisés, au club de littérature, au club de formation, au club virtuel d'accompagnement, c'est des abonnements à raison de 3000 francs par an. On peut se le permettre. Beaucoup de personnes peuvent nous aider à se le permettre. Et ces accompagnements payants ou ces abonnements payants ramènent de l'argent, et sans compter le fait que nous mobilisons des milliers de personnes pour utiliser notre plateforme, ce qui ramène des statistiques que nous vendrons bien sûr aux organisations de la société civile pour pouvoir mener à bien leur mission, leur projet envers nous. Je vais conclure en allant vers le côté où je me dis, comment est-ce que mon projet va faire la différence? La différence, c'est que nous allons contribuer à créer ou à capaciter la moitié de la population, que sont les femmes que les violences sexuelles paralysent. Nous allons amener cette personne, nous allons les capaciter, cette moitié de la population-là, à pouvoir se payer les produits de tous les autres projets de ce concours. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, dites-nous très rapidement, comment le projet aide une victime? Lorsque vous accédez en même temps aux plateformes, vous avez la possibilité de le faire en anonyme ou décliner votre identité. Vous avez la possibilité de le faire sans créer de compte ou créer un compte. Dès le moment où vous accédez à la page d'accueil, il y a un dossier qui s'est créé en votre nom. Et derrière l'application, il y a des personnes formées à l'écoute des victimes de violences sexuelles. Et donc ces personnes vous écoutent en premier, vous racontez votre histoire. Et lorsqu'elles finissent de vous écouter, elles vous donnent des conseils, vous donnent des directives, selon ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire. Et après avoir choisi votre procédure, on vous réfère au centre ou bien à des centres qui peuvent aller dans cette direction avec vous. C'est-à-dire, lorsque vous allez être victime et que vous avez fini de parler avec votre conseiller derrière notre application, nous envoyons directement le dossier au médecin que vous devez aller voir ensuite, si c'est là-bas que vous devez aller. Donc, lorsque vous arrivez chez le médecin, vous n'avez pas besoin, en tant que victime de viol, de re-raconter votre histoire une seconde fois, une troisième fois. Le dossier lui permet de voir déjà ce qui s'est passé et de vous prodiguer les soins ou ce qu'il faut. Pareil pour toutes les autres instances. Nous avons, pas postulé, mais nous sommes allés vers ces personnes. Et au départ, c'est des personnes qui travaillent déjà dans ce domaine. Nous avons des organisations internationales, nous avons des organisations nationales et nous avons les centres d'écoute, les centres de suivi des droits des femmes.
On a les organisations comme le GF2D, on a le centre d'écoute de Novici qui est dans l'enceinte même de la promotion de la femme, etc. Et depuis combien de temps vous avez des postes ? Un an. Nous avons lancé officiellement depuis 3 mois. En disant 3 personnes par semaine, vous parlez de la cadence actuelle ? Non, je parle de mon expérience personnelle qui a amené ce projet. Actuellement, nous sommes à environ 1000 personnes par mois et nous voulons atteindre 5000 personnes par semaine parce qu'on est conscient que seules 2 femmes sur 5 arrivent à parler de ces cas de victimes, de ces cas de viol. Qui sont ceux qui payent l'abonnement sur le site ? Ce sont les victimes. Oui, lorsque vous êtes victime et que vous êtes écouté, vous êtes conseillé, vous êtes suivi et que vous lancez dans le processus, c'est gratuit, vous ne payez rien. Nous vous accompagnons jusqu'au bout. Ça, c'est le côté social. Maintenant, lorsque vous voulez accéder à des services beaucoup plus spécialisés, selon un diagnostic donné, vous voulez vous former, par exemple, sur les questions de violence sexuelle, vous voulez vous former sur les questions de genre, vous voulez vous former par rapport à la gestion de l'hygiène menstruelle, ça, vous devez payer pour avoir la formation qui vous est adéquate. Et là, c'est payant. Et là encore, c'est raisonnable. J'ai parlé également des clubs virtuels. C'est des clubs d'accompagnement, de mentoring, pour amener, parce que les victimes sont brisées et ont besoin de confiance en soi, de personnes pour les reforger, pour faire face à la vie. Donc ces victimes-là peuvent adhérer au club virtuel, être suivies, avoir un mentor, avoir des femmes qui les inspirent, comme madame la membre de jury, avoir des personnes qui les inspirent à faire plus et à dépasser cette catastrophe-là qu'elles ont vécue dans leur vie. Donc ça, à ce niveau, vous payez 3000 francs pour toute l'année. Généralement, ok, nous utilisons beaucoup les plateformes. Au cours de ce concours, on a un prix voting et le prix voting consistait justement à faire voter des personnes qui croient en notre projet, qui nous soutiennent. Et j'ai la fierté de dire que j'ai eu jusqu'à présent au minimum 19 000 votes. C'est 19 000 personnes qui ont entendu parler de moi, qui ont entendu parler de mon projet et qui soutiennent ce projet. Ces 19 000 personnes font partie en réalité d'un groupe large, d'un réseau de jeunes activistes qui combattent les mêmes choses. Et donc ces groupes de jeunes ou ces jeunes-là partagent également mes publications, ce qui ramène beaucoup de personnes qui prennent connaissance en fait de l'application et les amène à les utiliser. Comme ces jeunes suivent d'autres jeunes dans leur engagement, leur conseille également d'utiliser notre application et nous développons actuellement la version hors connexion pour pouvoir toucher plus de personnes vulnérables. Oui. Bon, vas-y. Oui. Merci beaucoup, madame. Je cherche le nom. Elsa Badoumbena Bakoli. Non, je cherche. Madame Elsa, c'est ça ? Madame Elsa. Je trouve ce projet vraiment intéressant. Mais quand vous regardez un peu dans les critères que nous voulons évaluer ici, c'est les critères qui vont entre autres de comment est-ce que ce projet va être rentable. Quand je prends le projet Loïve, je me pose la question, au-delà du côté social que je trouve véritablement intéressant et très bien, très louable, je me pose la question comment cela va être rentable. À moins que vous associez à des structures, à des institutions, des organismes internationaux qui œuvrent dans ce sens ou qui vous accompagnent financièrement, au niveau de la rentabilité du projet, j'ai encore du mal à pouvoir percevoir où est-ce que vous allez tirer des fonds. Vous avez parlé de vendre des statistiques à certains organismes qui ont besoin de statistiques. Vous avez également parlé entre-temps de personnes qui travaillent pour vous, qui sont derrière pour pouvoir écouter les personnes victimes de violences, etc. Comment vont-elles être payées si quelque part il n'y a pas de fonds qui rentrent? Aujourd'hui, vous avez également parlé des structures qui appuient. Vous avez cité le cas de la police, vous avez cité le cas de certaines structures des affaires sociales, etc. C'est très, très, très bien. Mais dans l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, vous avez parlé d'un cas. Vous avez donné un cas concret où une dame est allée avec vous pour se plaindre et où elle a été rabrouée. Dans ce cas-ci,
même si la plainte ou alors le cas est relaté sur votre site, à un moment donné, il va falloir aller toujours vers ces organismes. Et pourquoi pensez-vous qu'en ce moment, l'écoute sera beaucoup plus accessible que ça ne l'est, ça ne l'a été dans le cas que vous avez relaté? Parce que ces organismes sont celles qui vont vous recevoir également. Moi, je pensais peut-être qu'on irait dans la sensibilisation de ces organismes à pouvoir avoir des structures dédiées à cela pour pouvoir mieux écouter. Peut-être que la personne que vous avez vue ce jour-là n'était pas formée pour, donc ne connaissait pas du tout comment gérer ce genre de situation. Donc, pour moi, j'ai encore du mal à percevoir le côté rentable de votre projet. Le côté social, comme je l'ai dit tout à l'heure, est très, très louable. Merci beaucoup, madame. Ce que je n'ai pas raconté, c'est la fin de mon histoire. Lorsque nous sommes allés et qu'on a été littéralement jetés dehors, heureusement, ou je ne sais par quel miracle, la personne nous a rappelé et a demandé « Vous, vous êtes qui d'abord ?» Il s'adressait à moi, l'accompagnant. Et je lui ai dit que je suis activiste et que je fais partie d'une organisation de défense des droits de la femme et que c'est à cet effet que j'ai raccompagné ou accompagné madame dans leur poste. Et je vous assure que tout de suite, le traitement a changé. On nous a donné un siège dans un bureau. Ce n'était plus dans le hall du commissariat que nous avons raconté l'histoire du viol de la petite fille. Nous avons été reçus dans un bureau. Nous avons été écoutés. Nous avons été tellement bien traité, reçu tellement d'informations qu'aujourd'hui j'ai envie de faire la publicité de ce poste de police justement en question. Pour dire que lorsque l'OAV, avant que vous n'arriviez, a déjà pris attache avec le centre ou les forces de l'ordre en question pour expliquer le cas, ils vont vous recevoir à cet effet parce que justement ils sont formés. L'État a fait beaucoup d'efforts pour que ces personnes soient formées, mais comme on le sait, ce n'est pas tout le monde. Et donc on sait à qui dans le centre vous référez pour ce cas spécifique au lieu de vous écouter dans le hall avant de se rendre compte que c'est une histoire de viol. Ça, c'est pour ce côté. Maintenant, pour le côté rentabilité, il y a le côté où les statistiques, c'est important pour les organisations, telles qu'elles soient, pour pouvoir élaborer des projets d'impact. Et donc, au-delà de ces statistiques que nous rendons disponibles grâce à l'affluence sur le site, j'ai également parlé des abonnements. À raison de 3000 francs par an, on pense tout de suite que ce n'est rien. Mais lorsqu'on prend 1000 abonnements, on voit déjà ce que ça donne en termes de chiffre d'affaires. Et au-delà de ça, la troisième année du projet, j'ai parlé hier d'intelligence artificielle et je veux bien le répéter aujourd'hui parce que j'y crois. Hier, j'étais peut-être trop ambitieuse ou pas assez humble, mais aujourd'hui, j'ai envie d'être encore plus ambitieuse. Et j'ai envie de vous dire en fait qu'il y a une équipe derrière. Je ne suis pas la seule qui travaille. Lorsqu'on me voit, on voit le côté social. Mais il y a le côté technique. Actuellement, nous avons un membre de l'équipe qui est parti en formation à l'extérieur, rien que pour pouvoir développer ce côté-là que nous voulons rendre disponible dans la fin de la troisième année. Et donc, ces statistiques ou bien l'intelligence artificielle qu'on va développer va pouvoir permettre en fait de montrer au système de gouvernance, au pays, ce qu'ils sont en train de perdre en termes d'argent par rapport au taux de violence sexuelle. Ça fait déjà trois mois que vous avez lancé le projet, vous l'avez rendu opérationnel. Quels sont déjà les contacts que vous avez eus pour pouvoir véritablement rentabiliser les statistiques que vous avez déjà obtenues? Dites-moi en plus, parce que la question sur la rentabilité, pour moi, n'est toujours pas encore, en tout cas ma soif, je n'ai pas encore été satisfaite là-dessus. Parce que j'ai parlé également de ce que vous payez. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de gens derrière vous. Comment vous les motivez? Parce que vous savez, un projet, quand ça commence, je suis d'une association, donc quand vous commencez, il y a un certain engouement, il y a les gens qui vous accompagnent. Oui, bénévolement, il n'y a pas de souci. Mais à un moment, ces gens aussi, ils ont besoin d'acheter du carburant pour venir œuvrer pour les activités d'eux, même s'ils y croient. Mais à un moment, ils vont être démotivés du fait qu'il n'y a vraiment pas les moyens pour pouvoir les accompagner à venir vraiment faire ce qu'ils ont à cœur de faire. Comment vous gérez ça? Il y a trois mois d'expérience que vous avez déjà eu. Dites-moi comment vous gérez ça. Je suis la coordinatrice nationale du mouvement Girls Motion. Girls Motion est un mouvement au Togo qui lutte pour l'égalité de genre
et spécialement contre les violences sexuelles au Togo. Ce réseau de jeunes filles compte à Lomé seulement 250 membres et sur toute l'étendue du territoire, 800 membres environ. Et pour la plupart des filles, nous avons environ 1% de garçons. Et je vais réitérer en disant, ces jeunes sont déjà là et font déjà ce que l'OAVE fait sans pour autant être payés pour le faire. L'OAVE aujourd'hui veut professionnaliser ce cadre-là. Donc actuellement, pour ces 3 mois, les jeunes déjà formés du mouvement Girls Motion, qui est justement partenaire de ce projet, sont derrière leur téléphone et répondent selon un chronogramme donné H24 sur toute personne qui entre en contact via quelqu'un sur la plateforme. Donc c'est comme ça que nous gérons actuellement. Et quant à la pérennisation de cette action, oui, on va finir par payer les gens. Parce que, comme on l'a dit, des gens ne vont pas travailler indéfiniment, gratuitement. Arrivé à un moment, arrivé à un niveau de développement, nous allons engager des gens qui vont rester permanemment pour défendre et pour répondre à ces personnes-là en ligne. Président, permettez. Merci pour la présentation. Le concept, comme les collègues l'ont déjà dit, est assez intéressant. Alors, c'est un projet numérique, donc à forte connotation technologique, ce qui est bien d'ailleurs, justement le salon il est technologique. Mais vous parlez de personnes victimes, de femmes victimes de violences sexuelles. Et quand je prends le taux de digital literacy, disons le taux d'alphabétisation en termes de numérique au fait, il est quand même assez ou toujours bas au Togo. Et donc, si c'est la personne victime d'agression sexuelle qui doit utiliser l'application dans un premier temps, ça veut dire que vous excluez au fait de facto un certain nombre de personnes. Maintenant, si cette personne doit passer par quelqu'un pour utiliser l'application, ça veut dire qu'elle est obligée de s'ouvrir à un tiers peut-être qui n'était pas censé peut-être connaître l'histoire de ce qui lui est arrivé. Donc, comment est-ce que vous allez prendre en compte toute cette marge de la population qui, elle, n'a peut-être même pas de smartphone? Parmi cette population qui est analphabète, si je peux me permettre le terme, il y a ma mère. Ma mère n'a jamais mis pied à l'école, elle ne comprend pas français. Et aujourd'hui, ma mère utilise également un smartphone. Mm-hmm. Ma mère utilise même un téléphone simple si ce n'est pas smartphone. Mm-hmm. Ma mère utilise WhatsApp. Ma mère sait envoyer des messages, envoyer des audios, envoyer des photos. Mm-hmm. Et justement, l'OAVE, comme je l'ai dit, va pouvoir développer une version sans connexion, ce qui veut dire qu'il n'y a plus le problème de je n'ai pas d'argent pour pouvoir me payer la connexion. Justement, et un modèle sans connexion Internet, cela voudra dire que c'est toujours un smartphone qui est utilisé ou bien un téléphone simple? Il y a la version téléphone simple, 1+1. Voilà. Un téléphone simple, au fait, ça veut dire que vous passez par USSD. Oui. Alors, pour utiliser l'USSD, il faut être instruit et saisir. Mm-hmm. Et donc, celle qui n'est pas instruite, elle fait comment utiliser un téléphone simple? Les personnes qui rentrent en contact généralement avec nous via téléphone ne savent pas écrire forcément, oui, mais ont sûrement parlé à quelqu'un qui leur a parlé de toi en tant qu'activiste avant qu'ils ne puissent t'écrire. Et surtout dans les villages ou dans les coins reculés, oui, il y a des agents, les agents sociaux qui justement à qui ces cas sont référés, qui eux sont en collaboration avec nous pour référer maintenant ces cas-là sur notre site pour qu'on puisse toujours avoir les statistiques. Maintenant, au-delà de ça, il y a la possibilité de télécharger les preuves audio, vidéo, documents et tout ce qui va avec sur le site. Donc ça permet de se faire aider, même lorsque vous vous faites aider par un agent, cette personne-là vous amène à télécharger des audios. Donc, c'est vous-même qui parlez et on enregistre l'audio qui est téléchargé automatiquement sur le site. En tout cas, vous essayez bien de vous défendre, ce qui est appréciable. Mais la question du viol, au fait, c'est une question un peu sensible. Et ce n'est pas comme si j'avais un souci de santé, je vais parler au médecin ou bien à un agent de santé communautaire qui est dans ma zone. Mais cela, au fait, oblige la personne à s'ouvrir et à donner certaines informations. Peut-être que vivant dans la même communauté, après, vous savez comment les gens peuvent se comporter. Donc, cet aspect-là, je pense que vous devriez sans doute réfléchir davantage là-dessus. Peut-être que vous n'avez pas la réponse maintenant, mais c'est un projet qui doit faire son cours. Essayez d'y réfléchir. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Bakoulé. L'idée de votre projet en termes
de plaidoyer louable. Mais il y a des contours que nous ne percevons pas directement dans votre projet. Même si vous nous l'expliquez, et le fonctionnement, hein, les équipements, combien ça vous coûte, le fonctionnement, comme c'est sur cela que madame revenait. Le personnel qui est derrière, ou le nombre de personnes que vous mobilisez. Et les intermédiaires à qui vous allez référer, je ne sais pas si, bon, ils ont des choses à percevoir, ou vous devez aussi leur envoyer quelque chose pour qu'ils soient motivés à traiter les questions. Pour le moment, ce n'est pas véritablement prouvé. De plus, nous avons une grande population féminine, pour ne pas dire rurale, qui est analphabète, rurale, qui n'a même pas accès à certains matériels. Même s'il y a téléphone, il n'y a pas réseau, il y a beaucoup de choses. De deux, les informations que vous collectez des individus sont aussi des informations confidentielles. Et au niveau du Togo, on a une loi sur la gestion des données à caractère personnel. Comment vous comptez sur votre plateforme à assurer la sécurité que cette information ne serait pas piratée et divulguée d'une manière ou d'une autre? Ça, on laisse le côté rentabilité, mais on va voir aussi le côté pérennité, parce que ça peut aussi revenir, quelqu'un peut encore porter plainte contre vous-même, parce que c'est à vous qu'il a livré l'information, il peut s'étonner deux jours que cette information fuite quelque part. Quelle sécurité, où est-ce que vous avez pris connaissance de cette disposition, comment vous comptez surmonter? Comme il n'y a aucun projet sans risque, le nôtre comporte également des risques. Et l'un de ces risques, justement, c'est le risque de pouvoir être piraté. Mais comme je l'ai dit, heureusement, nous avons une équipe extraordinaire, une équipe formidable, super douée, qui se charge de ce côté-là. Et pour le côté confidentialité, lorsque vous accédez à la plateforme, vous avez les conditions d'utilisation que vous devez accepter. Et donc, vous avez la capacité de dire même si vous voulez qu'un dossier se crée ou pas pour vous. Et vous avez la capacité de supprimer votre propre dossier sur la plateforme. Et pour ce qui est des données à vendre, ce ne sont pas les données personnelles des utilisatrices, mais plutôt des statistiques, des chiffres, d'âge, quel est le pourcentage d'enfants victimes de tel type de violence, etc. Quelle est la région la plus touchée et par quelle violence? C'est ce genre de données en fait qu'on rendra disponibles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous raccompagnons donc la candidate, Madame Bankole Elsa, qui nous a présenté le projet Loïve, et nous allons accueillir le prochain candidat avec le projet Nié Contrôle. Accueillons à présent Monsieur Goga Yaovi Edem Joël. Il va nous présenter le projet Nié Contrôle. Cher président du jury, chers membres du jury, bonjour. Je suis Joël Goga, le promoteur du projet Nié Contrôle. Alors, c'est quoi Nié Contrôle? Je suis parti de trois constats principaux. Et j'ai mis en place mon problème. De un, c'est le manque de conseil de la population. Beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes en général souffrent d'un mal. Parfois, on traîne parce qu'on n'a pas l'information nécessaire, les conseils nécessaires. Et c'est quand c'est trop tard que nous orientons vers les centres de santé. Donc, je rappelle que Nié Contrôle, c'est une plateforme de e-santé. Le second constat, c'est que par rapport à la prise de rendez-vous, les personnes passent généralement ou nous passons généralement en 3 et 5 heures devant les hôpitaux, les cliniques, parfois pour prendre un rendez-vous, parfois pour une consultation avec nos médecins. Et cela est d'autant plus contraignant pour les personnes vulnérables. Je veux parler des personnes âgées, des femmes enceintes et des personnes handicapées qui n'ont pas forcément cette
facilité physique de rester sur place pendant des heures. Alors, selon le troisième constat, c'est le manque d'orientation. Quand nous avons un problème, très généralement, nous ne savons pas si nous devons nous diriger vers le cardiologue, le dermatologue, le rhumatologue. Parfois, nous hésitons parce que nous ne savons pas vers quel médecin nous diriger. Alors, Nier Control, c'est cette plateforme qui propose non seulement des conseils, mais également la prise de rendez-vous. Vous pouvez aller sur Nier Control, vous inscrire, trouver la clinique IS, le service de spécialité que vous voulez, le médecin traitant, et vous prenez votre rendez-vous. Et quand le médecin valide, vous avez une notification, vous présentez juste le jour J devant le médecin pour votre contrôle. Et de trois, nous avons un médecin référent que vous pouvez appeler quand vous avez un malaise, qui vous dira vers quelle spécialité vous dirigez ou quelle analyse faire pour savoir de quoi vous souffrez. Alors, par rapport aux concurrents, nous avons à ce jour deux ou trois concurrents. Il y a SOS Docteur, il y a Dokita Ice et puis Yodokita. Mais je dirais encore que la télémédecine au Togo, c'est un océan bleu parce qu'il y a encore de l'espace à explorer et il y a encore beaucoup à faire. Alors, par rapport au marché, je dirais que c'est un marché totalement porteur. Pas plus tard que ce matin, M. Vincent Kavengé parlait de secteur porteur où il citait la télémédecine. Mais pour revenir sur les chiffres, je dirais que Handicap International dénombrait environ à 600 000 les personnes handicapées et l'INSED dénombrait à 400 000 les personnes âgées au Togo. Pour ne parler que de cela, parce que le taux de natalité est toujours à la hausse, il y a entre 1 et 3 naissances chaque jour. Donc je dirais que le premier marché, c'est déjà nous. Chaque foyer, chaque ménage a besoin de Nier Control, peut-être pour lui, pour son parent ou pour son enfant. Alors, notre équipe est constituée. Moi, je suis gestionnaire de projets, communicateur et développeur web. J'ai des développeurs web et mobiles dans mon équipe. J'ai des médecins étudiants en 6e, 7e année, de même que des médecins qui sont déjà inscrits à l'Ordre des médecins du Togo. Voilà. Donc, par rapport à notre modèle économique, nous avons principalement plusieurs flux de revenus, entre autres deux, qui sont les souscriptions. Donc, les hôpitaux, nous faisons une souscription pour les hôpitaux et les cliniques et pour les personnes physiques qui peuvent aller sur la plateforme, s'inscrire directement et payer. Alors, pour les hôpitaux, la souscription est à 10 000 francs pour le moment, pour les trois premiers mois. Et pour les particuliers, c'est-à-dire les cabinets, à 5 000 francs. Par contre, pour les personnes physiques, c'est fixé à 1 000 francs pour les trois premiers mois, puisque l'application n'est pas encore assez cotée, donc c'est pour la première phase d'expérimentation. Et depuis 6 mois, nous avons l'application, nous avons lancé réellement il y a 2 mois, mais nous avons déjà des centaines d'abonnés, ce qui est pour nous un retour assez positif. Donc, nous savons que le marché, selon notre étude technique et financière, c'est un marché totalement porteur et voilà, par rapport à ce qui a été déjà fait, nous avons formalisé. Nous avons d'abord constitué une équipe, nous avons rédigé notre business plan, notre business model, nous avons développé la version web qui est sur www.niercontrol.com, qui est la version web qui est directement en ligne, auquel on peut accéder et s'inscrire directement même si vous le voulez. Alors, nous avons eu également à gagner 300 000 francs lors d'un hackathon organisé par le PNUD, ce qui nous a permis de faire tout ça et ajouter à nos propres fonds. Alors, c'est 1 million que nous voulons, vont nous permettre, si vous le permettez, d'abord de parfaire, d'améliorer la version web, de développer la version mobile qui est un APK qui sera disponible sur App Store et Play Store en langue Ewe et Kabyè en dehors du français pour que même ceux qui n'ont pas accès, ceux qui ne comprennent pas réellement le français, peuvent l'utiliser. Et le reste de l'argent va nous permettre d'investir dans la communication et la sensibilisation. Merci. Je suis convaincu que dans un contexte de crise sanitaire, la télémédecine est un domaine totalement porteur et Nier Control, investir dans Nier Control, c'est investir dans l'humanité. Merci. Oui. Non, si vous êtes au fait, quand nous allons vers Clinique Biassa souscrit à notre plateforme, c'est là que Clinique Biassa paie 10 000 francs, ce qui le permet de gérer le dossier médical de ses patients, l'agenda de ses patients. Mais quand vous êtes personne physique, vous vous abonnez, vous payez 1 000 francs pour les 3 mois, ce qui vous permet d'avoir accès à un médecin, d'avoir accès aux conseils et de prendre un rendez-vous. D'accord. Donc le paiement se fait par les centres de soins qui s'abonnent à votre application. De 1 et de 2 par les personnes physiques. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas un médecin ou une clinique
et vous voulez juste aller sur la plateforme Toucher un médecin, puisque nous avons ce côté anonymat pour vous inscrire avec un pseudonyme. Par exemple, une jeune fille qui veut des conseils en santé sexuelle reproductive, par exemple, et qui ne veut pas forcément aller, ou qui a une IST, mais qui veut des conseils, mais ne veut pas se présenter devant un médecin, peut s'inscrire en anonymat, payer et écrire s'il veut en testo, ou alors avoir une consultation audio. Donc voilà, nous avons une consultation par test, par audio, par vidéo. D'accord. Et là, le paiement est toujours 1000 francs ou ça change, le taux change? Pour le moment, vu que c'est le début, c'est toujours à 1000 francs pour le moment, pour les trois premiers mois. Mais vu que c'est un marché porteur, donc après ces trois premiers mois, nous ferons le bilan et nous allons fixer un taux définitif. Voilà. Merci beaucoup. Vous permettez, monsieur? Et madame, donc. Merci beaucoup. Encore une fois, je vais chipoter. Parce que je voudrais comprendre comment le projet va être rentable. Parce qu'il y en a beaucoup de ces applications. J'ai même eu une fois un appel de quelqu'un qui avait déjà mis en place une application qui est très, très dans le domaine médical comme ça, qui fait la même chose que vous quasiment, mais qui avait du mal parce que les hôpitaux et les centres de santé n'étaient pas trop intéressés à souscrire. Mais le problème dans ce cas-ci, si les centres de santé ne sont pas intéressés à souscrire, c'est-à-dire que vous n'avez pas une certaine liste ou un certain nombre de centres de santé affiliés à votre application, il va avoir du mal à avoir des clients, entre guillemets, ou des patients qui voudraient prendre des rendez-vous ou voir des docteurs qui vont s'inscrire parce qu'ils ne verront pas l'intérêt de pouvoir y aller alors qu'il y a un ou deux hôpitaux. Ça, c'est la question. Et au fait, ça va dans le même sens aussi. S'il n'y a pas assez de gens que vous mobilisez pour pouvoir suivre votre application, en tout cas s'intéresser à votre application, les hôpitaux ne trouveront pas l'intérêt de venir vers votre solution. Donc le défi est double à votre... En tout cas, moi, je le traite de manière double. Je me dis, l'enjeu peut-être, c'est de pouvoir mobiliser, de sensibiliser sur l'application au prime abord. Parce que et je crois que parfois, les applications de l'extérieur, la plupart du temps, c'est ce qu'elles font. Hein. On nous envoie l'application, vous l'utilisez de manière gratuite pendant un temps pour pouvoir permettre à ce que vous puissiez comprendre l'application, y voir son utilité et quand même à un moment même devenir presque dépendant de l'application. Ouais. Et après, on vous dit, OK, il faut payer parce qu'il faut aller à des offres beaucoup plus avancées. Ou, voilà. Donc, je pense au niveau du... Vous avez commencé, ça fait combien de temps? Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Combien de clients avez-vous, de manière générale? Une centaine. Une centaine, ce n'est pas un chiffre. 150, c'est-à-dire que... 130, 150. Exactement. Entre 130 et 150. Entre 130 et 150, combien sont hôpitaux et combien sont clients lambda comme moi? Je dirais une centaine, ce sont des clients lambda. Okay. Maintenant, il y a certains cabinets. Par exemple, à ce jour, nous avons déjà des cabinets et des hôpitaux avec lesquels nous travaillons. Je combien? Peux citer la clinique. Combien? Autour de 20. Autour de 20. Une vingtaine d'hôpitaux? Déjà? Oui, déjà. D'accord. Je peux citer la clinique Murel. Je peux citer... Non, pas besoin d'accord, de citer. D'accord, je peux citer les hôpitaux. On vous croit sur parole. D'accord, donc, avons déjà eu à tester le produit chez les gens. Donc, nous avons également des médecins qui sont inscrits à l'ordre, donc ce qui nous facilite l'accès vers les autres centres de santé parce qu'on sait que ce n'est pas une application qui vient du néant. Si un médecin inscrit l'utilise, l'autre médecin aussi aura tendance à l'utiliser, à le vulgariser. Donc, voilà un peu. Oui, le côté rentable, moi je veux vraiment le comprendre là. Le côté comment est-ce que vous... Si vous imaginez que c'est une application et que c'est ce que vous avez fait, comment vous comptez en vivre? Parce qu'aujourd'hui, vous avez 100 et 20 hôpitaux. Si vous pensez qu'actuellement, ça ne peut pas vous faire vivre, dites-nous comment vous pensez des perspectives d'avenir pour que ça puisse l'être au finish. Ok, je disais que notre modèle économique, déjà, c'est basé sur d'abord la souscription, mais également la mise en relation. Puisque nous redirigeons les patients vers les hôpitaux, nous avons 10% sur les consultations. D'accord. Nous ne dirons pas qu'il y a un jour à Lomé où il n'y a pas de patients malades. Mmh. Donc, nous sommes convaincus qu'il y aura toujours des malades. Ce n'est pas que nous le souhaitons, mais... Il y a déjà le marché, donc il y aura toujours des patients qui, avec une bonne communication, vont s'abonner forcément à la plateforme. Ce qui veut dire qu'on ne sera pas en chômage et c'est une application qui sera financièrement autonome. Donc déjà, vous souscrivez à la plateforme, vous avez vos conseils et de deux, nous redirigeons les patients vers les hôpitaux. Donc avec un contrat vers les hôpitaux, nous avons 10% sur la souscription. Très bien. C'est déjà intéressant ce 10% de retour parce que les 1000 francs,
c'est ça, 1000 francs et 3000 francs, 10 000 francs pour les hôpitaux, oui. Ça ne va pas payer mine. Hein. Donc si quelque part vous envoyez les gens vers les hôpitaux et que ça leur permet, ça vous permet à vous de drainer, d'avoir 10% de frais de consultation ou des frais des services qui leur sont faits, c'est déjà quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à y aller? Parce que, est-ce que vous négociez avec les hôpitaux pour que, quand on passe par votre application, au lieu que ce soit 5000 francs, la consultation, c'est 4500, pour pouvoir drainer assez de monde pour dire, bon, je vais faire une économie en passant par l'Internet pour y aller. Donc, quelque part, il faut quand même revoir les choses dans ce sens-là, pour pouvoir drainer les gens, pour que les gens viennent vers vous, pour se dire, il y a un avantage certain à pouvoir souscrire. Mais sinon, moi, je trouve le projet très intéressant et il est très intéressant. Merci. J'aurais que juste un élément de réponse, forcément, pour ajouter, mais ce qui va pousser les gens, c'est que non seulement vous avez la consultation, mais vous avez votre dossier médical et le docteur continue de faire votre suivi. Donc tout au long, vous avez un dossier médical en ligne qui est enregistré. Le docteur peut écrire là-dessus, vous donner des renseignements. Donc du coup, vous êtes suivi. Vous pouvez opter pour être suivi. Par exemple, si vous souffrez de, je ne sais pas trop, du gros cœur que nous appelons CMD, par exemple, ou d'une pathologie donnée, et vous voulez être suivi pour 6 mois ou pendant 1 an, là, vous souscrivez. Donc nous avons différents types de forfaits où vous souscrivez pour être suivi par un médecin cardiologue, par exemple, tout au long de l'année. Donc ça fait également un autre flux de revenus pour nous. Voilà. Okay. Monsieur Bossou, vraiment. C'est le même problème de technologie. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Goga. Nous vous remercions. Nous accompagnons Monsieur Goga Yaovi Edem Joël. Il vient de nous présenter le projet Nié Contrôle, qui est une plateforme d'e-santé. Et nous allons accueillir à présent Madame Provisika Light Akosiwa. Elle nous présentera le projet AgriLight. Provisika Light Akosiwa avec le projet AgriLight. Candidate, bonsoir, vous avez 10 minutes, 5 minutes pour présenter le projet et 5 minutes pour les questions du jury. Bonsoir, chers membres du jury, permettez-moi de vous présenter 2 cas. Le cas des 7 000 et le cas des 3 millions. 7 000. 7 000, c'est selon l'UNICEF le chiffre des enfants et des jeunes qui errent dans les rues de Lomé. Des enfants qui n'ont pas de qualification, qui ne sont pas scolarisés, et généralement nous les appelons drogués, délinquants, enfants dans la rue, ou encore des criminels. 3 millions, pas 3 millions de francs CFA, mais 3 millions de personnes décédées selon l'OMS en 2016, tout simplement parce qu'elles ont consommé des aliments issus des productions avec de l'engrais chimique. 2 problèmes, 1 solution. AgriLight. AgriLight est un projet économique et social. Il s'agit de produire du piment vert dont les revenus issus serviront à appuyer les jeunes pour leur formation, leur installation afin d'être autonomes. Une production sans danger pour l'environnement, pour la biodiversité et pour l'être humain. L'idée ici n'est pas de construire des centres d'accueil ou encore des centres de formation. Tous ces centres existent. Le seul hic, c'est que tous ces centres attendent le financement extérieur. Et quand il n'y a plus de financement extérieur, toutes les activités sont aux arrêts. Chers membres du jury, pourquoi attendre un financement extérieur? S'il vient, c'est bon, alors que nous pouvons produire de la richesse ici. AgriLight se propose de produire du piment vert. Exploitons un lot de piment vert. À la fin, nous aurons comme revenu net 470 000.
Et selon la Chambre des métiers et de l'artisanat, c'est un montant suffisant pour inscrire une personne en apprentissage et après l'accompagner dans son installation afin qu'elle soit autonome. Et si nous voulons exploiter un hectare, nous aurons comme revenu net 7 500 000 de façon générale. Et cela nous permettrait normalement d'aider 32 jeunes. Mais nous nous sommes arrêtés à 20 jeunes parce qu'il faut également prendre en charge les ressources humaines. Chers membres du jury, investir dans la télémédecine, investir dans les autres domaines, c'est une bonne chose. Mais je vous rassure que le plus grand investissement durable que vous puissiez faire, c'est d'investir dans le capital humain. Et ces jeunes sont de potentiels capitaux humains si nous leur donnons une chance. Les bonnes femmes du marché qui achètent généralement nos sacs de piment, elles sont conscientes qu'elles achètent un service en rendant service à l'humanité. Et l'une des directives des ODD, c'est de ne laisser personne pour compte. Également, le PND, l'AS3, c'est de ne laisser personne pour compte. Et aujourd'hui, tout ce que je viens d'expliquer, c'est en fait de dire que nous faisons la promotion de la production et de la consommation locale, tout en nous souciant du bien-être du consommateur. Ce faisant, nous contribuons également à prendre en charge ces jeunes afin qu'ils soient autonomes. Et quand faisons tout cela, nous contribuons au développement économique du pays tout en préservant un aspect important, la cohésion sociale. Je vous remercie. Merci. Christian. Oui, merci Madame Sika, c'est ça? D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la production de piment vert? Deux saisons. Deux saisons ou deux années? Deux saisons. Oui. Donc là, c'est deux saisons en fait de piment, ça tient en une année. Oui, ça tient en 9 mois, donc ils ont une année. Donc moins d'une année, d'accord. Et vous produisez dans quelle zone? À Blita. Oui, à Tifama, exactement. D'accord. Et vous êtes à Lomé à Blita à un moment? Je suis à Lomé, mais je vais souvent en mission dans les milieux reculés, y compris Blita. Et donc je suis souvent en mission à Blita. D'accord. Et sur quelle surface vous produisez actuellement? Sur un lot actuellement. Un lot. Donc, fois 16, ça fera un hectare. D'accord. Alors, la question, le problème que vous avez posé, comment mettez-vous en relation les enfants, ou bien les enfants de la rue qui ont besoin de ces ressources-là, et vous? Quel est le lien, en fait, entre eux et vous? Comment vous les sélectionnez? Est-ce que vous passez par des centres existants? Comment ça se passe? Nous avons des enfants auxquels nous donnons généralement à manger au boulevard et à la plage. Mais parmi ces enfants, il y a certains qui viennent des centres d'accueil. Donc, ils vont dans les centres d'accueil et ils sont également parfois dans les rues. Et donc, on a déjà établi une relation de confiance avec ces enfants. Mais ce n'est pas nous qui choisissons ces enfants. Ce sont ces enfants qui sont dans les centres ou encore qui se font déjà accompagner par les travailleurs sociaux et qui ont exprimé le désir d'apprendre un métier ou de suivre une formation. Donc, autrement dit, nous n'allons pas sur le boulevard pour prendre un enfant et le mettre en apprentissage. C'est de manière participative avec l'enfant et le centre dans lequel il est. Maintenant, si un enfant ne se trouve pas dans un centre et qu'un enfant nous croise dans la rue et qu'il veut, parce qu'il voit qu'on aide les autres et qu'il veut se faire aider également, nous nous mettons en relation avec les centres-là qui sont à même de pouvoir accueillir ces enfants. Leur offrir d'abord un bon cadre pour l'apprentissage parce que nous ne nous occupons pas de ce cadre-là. Donc voilà à peu près comment ça se passe. Et vous faites quoi actuellement? Vous avez parlé des missions sur le terrain. Actuellement, je suis responsable de programme dans une organisation. Ok. Et comment vous allez gérer ce projet-là avec votre boulot? Quelle équipe derrière? Comment vous... Ça fait de l'agriculture, ça fait de la prise en charge sociale et ça fait aussi du relationnel parce qu'il faut aussi trouver les centres pour placer les enfants. Et ça, c'est votre boulot, ça fait 4. Supposons qu'on vous remette les sous aujourd'hui. Merci. Nous travaillons avec une équipe. Donc, il y a une équipe des travailleurs sociaux. Il y a deux équipes, en effet. Une équipe technique pour la production et une équipe des travailleurs sociaux. De combien de personnes? L'équipe des travailleurs sociaux est une équipe au sein de ces centres d'accueil-là. Donc, nous n'employons pas les travailleurs sociaux. Nous allons sur le terrain avec les travailleurs sociaux de ces centres d'accueil. Par contre, l'équipe technique est à notre charge. Et donc, il y a 5 personnes qualifiées pour la production, l'agroforesterie. Voilà. Présente. Permettez-moi que je revienne un tout petit peu sur le... On va continuer.
l'aspect agriculture, en fait, on sait très bien que le maraîcher, c'est d'abord un peu sensible, il faut conserver. Ensuite, l'accès à l'eau. Alors, pouvez-vous décrire un peu la zone où vous produisez et quand vous élargissez la surface de production, là, vous, parce que dans le document, vous n'avez pas parlé de ces aspects-là. Qu'est-ce qui garantit que la production va suivre, en fait, avec le financement qui vous sera accordé? Effectivement, la production du piment vert est une production très sensible et qui nécessite véritablement de l'eau ou bien une exploitation au bord du fleuve. Et donc, il y a là où nous produisons actuellement un système d'irrigation. Qui est où concrètement? Vous avez dit Blita, mais où à Blita? À Tifama. Vous avez des photos que vous pouvez nous partager avec, après? Si, non, oui, mais après, oui. D'accord, ok. À Tifama, donc, ils ont un système d'irrigation. Déjà, les jeunes maraîchers de cette localité maîtrisent le système d'irrigation. Et donc, c'est avec cela que nous faisons la production. Et comme c'est une production naturelle, nous faisons des calculs en fonction du climat, en fonction du changement climatique. Et donc, nous ne produisons pas au même moment que les producteurs qui utilisent de l'engrais. Et donc, nous produisons au moment où ça cadre, voilà, contre saison et quand il y a la pluie. Donc, c'est comme cela que nous arrivons à gérer pour la pluviométrie et le système d'irrigation. Merci. Monsieur Pressou. Oui, et merci beaucoup, madame. Et est-ce que vous-même, vous avez une fois fait un tel travail? Bien, c'est par un souci de vouloir nourrir des enfants. Est-ce que vous-même, vous avez travaillé dans le maraîchage ou l'agriculture? D'être issu d'une famille qui travaille dans l'agriculture et dans la production de ces produits. Mais il y a au début cette passion-là de pouvoir aider les gens et la réalité est que nous ne pouvons pas aider en comptant sur les autres. Et donc, comme d'un côté, il y a cette passion pour l'agriculture, alors nous avons pensé à quel mécanisme adopter pour financer la prise en charge de ces enfants-là. Et donc, d'où l'idée de concilier les deux pour en faire un projet. Mais si je comprends bien, c'est que vous-même, en tant qu'entrepreneur qui défendez le projet, vous n'êtes pas sur le site, vous ne travaillez pas permanemment sur le site pour pouvoir véritablement s'assurer que les activités évoluent comme vous le prévoyez éventuellement. Parce que le maraîchage, c'est très exigeant. Vous avez parlé des travailleurs sociaux. On ne sait pas si vous les payez. Si vous les payez, à combien? Parce que la rentabilité, comme on l'a dit, dépend de tous ces facteurs. Il ne s'agit pas de récolter pour aller vendre. Mais quand vous allez vendre le peu d'argent que vous allez trouver, il faut rémunérer ce qu'on appelle en économie les facteurs de production. Et les facteurs travail et autres sont non négligeables. Est-ce que les gens vont continuer à travailler avec vous gratuitement? Comment vous entrevoyez la rentabilité? Encore que vous n'êtes pas quelqu'un maraîcher de profession. Merci pour la question. Très pertinente d'ailleurs. Alors, par rapport à la rentabilité, d'abord, par rapport au paiement, ces personnes qui travaillent avec nous sont payées. Elles ne font pas le travail gratuitement. Et l'autre aspect également que je voulais soulever, le fait que je ne sois pas sur le terrain, voilà. Je ne suis pas sur le terrain, mais il y a un point focal, un représentant sur le terrain, une personne qui fait le suivi, une personne qui va sur le terrain et qui fait les comptes rendus avec les photos à la puce, qui me permet de loin de pouvoir gérer, même si je fais trimestriellement le tour dans la localité. Donc, c'est comme cela que ça se passe. Question? Oui, je voulais m'abstenir, mais bon, je vais y aller. Bon, ma question est de savoir comment est-ce que vous comptez distribuer le produit, en tout cas comment vous comptez l'écouler. Si c'est à Blita, ça veut dire qu'il y a un besoin là-bas déjà. Il y a déjà un besoin de femmes ou de commerçantes qui vendent des piments. C'est que le piment, n'est-ce pas? Oui. Oui. Il y a un besoin qui est exprimé là-bas où vous pensez écouler le marché. Ou comment est-ce que, quel est le circuit de distribution? D'accord. Merci. La production se fait à Blita. La vente se fait à Lomé. Il y a deux types de circuits. Il y a les femmes de Lomé qui quittent Lomé pour acheter directement à Blita.
et les femmes qui achètent quand on apporte les produits ici à l'abattoir. Donc généralement, j'ai parlé de deux saisons de production sans parler des saisons passées où ça n'a pas réellement marché. C'était les saisons où il fallait faire le prospectus, l'étude de faisabilité, l'étude de marché et voir véritablement pouvoir faire comprendre à cette dame que vous n'achetez pas que du produit naturel. Mais en faisant ça, vous contribuez à améliorer les conditions de vie de ces jeunes-là. Et donc, nous avons les femmes qui viennent acheter là-bas et qui achètent à Lomé également. Et nous avons ceux qui achètent sur Internet quand on publie, ceux qui se font livrer directement à la maison. Et pour ça aussi, il fallait établir le climat de confiance pour leur dire que c'est véritablement du naturel. Et l'autre aspect également, c'est qu'il y a une légère différence entre les prix des produits naturels et des produits issus des produits chimiques. Généralement, on surenchère les produits naturels qui ne sont vraiment pas naturels. Donc, ça a pris du temps pour convaincre ces personnes-là d'abord du fait que les produits soient naturels. Et ensuite, même si le piment n'est pas vert gros, en tout cas, c'est du piment naturel. Parce que ça ne sert à rien d'avoir du piment vert gros, écrasé vert et qui devient noir au moment de servir les invités. Vous avez tout à fait raison. Merci, Madame Rovisika. Nous vous remercions. Nous raccompagnons la candidate Rovisika Light Akosiwa qui vient de nous présenter le projet Agri Light. Et nous accueillons le prochain candidat, Kuchaya Obisedro, avec le projet Kassi Popo Group. Nous accueillons donc le candidat Kluche Yaovi Cedro avec le projet Kassi Popo Group. Candidat, vous avez 10 minutes, 5 minutes pour la présentation et 5 autres minutes pour répondre aux questions de notre jury. Bonsoir, chers membres du jury. Bonsoir, Chama Public. Je me nomme Kuchaya Yaovi Cedro, promoteur de l'entreprise Kassi Popo Group, qui est spécialisée dans la production et la commercialisation des huiles palmistes et les tourteaux de palmistes. Un constat. Lorsque nous rentrons dans les villages au sud du Togo, nous voyons nos mamans exercer une activité qui est l'extraction de l'huile palmiste. Et l'ambassadeur des États-Unis au Togo a fait des visites dans certaines unités de production, ainsi que nous aussi, nous avons expérimenté le domaine en 2014 et 2015 pour pouvoir évaluer la rentabilité du projet. Et là, nous nous sommes sortis avec une machine. Et cette façon de produire l'huile localement donne des problèmes qui sont, entre autres, à faible productivité locale qui entraînent l'importation de 18 000 tonnes d'huile chaque année au Togo, ce qui laisse la dévalorisation de cette huile sur le terrain et ne donne pas de revenus aux producteurs. C'est pourquoi nous avons décidé, à base d'une machine, de produire cette huile en quantité pour répondre à la demande du marché. À la demande du marché. Et puis, bon. Qu'est-ce qui vous perturbe? Allez-y. Je voulais montrer un peu le... Non, ça va. Allez-y. Continuez. Allez-y, faites votre présentation. En attendant que le slide revienne. C'est pour montrer le fonctionnement de la machine. D'accord. Ok. Si vous voulez suivre, dites suivant. Non, derrière, reculez un peu, oui. Ça. Ah, d'accord. Bon.
Bon. À quoi sert cette huile? Palmicère a produit ces savons que voici et les pommades de corps et autres. Les tuteaux de palmis issus de cette transformation permettent à la production de provendre pour les volailles et les porcs. Ça intervient aussi également au niveau des poissons. Et dans l'exercice de cette fonction, nous, jeunes producteurs, nous rencontrons un certain nombre de problèmes, de défis, qui sont entre autres le coût élevé de l'électricité de notre production. En deux, nous avons l'achat à crédit qui est de 2 à 3 semaines de paiement, ce qui ne nous donne pas la possibilité de tourner rapidement notre capital. Nous avons aussi la diminution du prix de l'huile qui était à 15 000 lorsque nous nous rentrons dans le domaine et actuellement à 10 500. Et tout ceci ne nous permet pas de créer plus d'emplois sur le terrain. C'est ce qui nous a donné à Kassi Popo Group le courage de faire appel à d'autres producteurs qui sont dans le même domaine que nous, de s'unir et de créer une coopérative. Et cette coopérative va se charger de racheter la totalité du d'huile produit sur le terrain et le reconditionner dans de nouvelles emballages et le mettre sur le terrain pour la vente. Cela va nous permettre, à nous les producteurs qui sont membres aussi de la coopérative, de pouvoir rouler rapidement notre capital pour pouvoir faire encore plus de bénéfices. Tout ceci a un coût et ce coût s'évalue à 120 millions dont aura besoin la coopérative pour pouvoir fonctionner. Parce que le système érigé par les fabricants de savon est un système de crédit. Et quand un compétiteur va arriver avec un système de vente et d'achat au comptant, il va battre le marché. Parce que il y avait un Indien qui est arrivé en 2018 et a expérimenté dans le domaine. Il remportait la totalité. J'avais envoyé des dossiers. Il remportait la totalité de ses huiles et l'envoyait à l'extérieur. Cela a causé des problèmes aux producteurs de savon en 2018. Et nous en sommes conscients. C'est pourquoi nous nous organisons pour pouvoir sécuriser le marché. Cet investissement va prendre en compte 10 millions qui sera en investissement pour les équipements et les formalités pour la coopérative. 120 Une minute. Ok, 110 millions pour le fonds de roulement. Et cela va générer en une période de 2 à 4 semaines une marge bénéficiaire de 10 millions. Merci beaucoup. Ok. Merci, Monsieur Cloutier. On sent que vous devez mieux présenter que ça, mais vous vous êtes senti un peu perturbé du fait que la présentation n'a pas suivi. Alors, récapitulons. Dites-nous, que vendez-vous exactement? Qu'achetez-vous et que vendez-vous? Quel est votre input et qu'est-ce que vous sortez de ça? Okay. Nous achetons les amandes palmis. Les amandes palmis, c'est les graines après la transformation du fruit de palmier. En huile rouge, il y a les graines qu'on concasse et on a les amandes palmis. Ce qu'on appelle népi, là, c'est ça. Les népi. D'accord. Donc, c'est ces amandes palmis qui nous donnent ces huiles-là. C'est un peu coagulé avec la fraîcheur parce que j'ai laissé l'huile ici depuis hier. Donc, ça s'est coagulé. Cette huile, ça rentre dans la fabrication des savons. Donc, ça, c'est votre input. C'est OK. Oui. Mais c'est vous produisez quoi? Nous produisons de l'huile palmis. D'accord, à partir des graines. À partir des graines. Et après la transformation, c'est pourquoi je voulais vous montrer la vidéo. Allez-y directement, laissez la vidéo. Oui, nous avons aussi les tuteaux de palmis qui servent aussi de produits. Ça, c'est les déchets qui sortent. Oui, oui, un sous-produit. D'accord, qui est aussi revendu sur le terrain. Sous-produit, d'accord. Sur le terrain, oui. Et le savon? Non, le savon, c'est le marché de notre huile.
Donc vous ne produisez pas de savon. Nous ne produisons pas du savon. C'est notre marché qui est là. Donc vous prenez l'amande, vous transformez en huile que vous vendez, et le déchet est également vendu, conditionné et vendu. D'accord. Comment vous vous assurez la quantité? Oui, et nous avons des personnels dans les villages parce que ça, la matière première provient des villages. Donc nous avons engagé des gens dans les villages qui nous aident pour la collecte de ces amandes et nous envoient ici à Lomé. Nous sommes basés à Agouet. Donc ils nous envoient ça et puis nous, on transforme. C'est un peu ça. D'accord. Sur un mois, vous transformez combien de tonnes ou autres unités? Pour nous donner un ordre de grandeur. Oui, dans notre unité, nous arrivons à transformer de 25 à 30 tonnes par mois, ce qui est équivalent à entre 400 et 600 bidons de 25 litres par mois. Ce qui nous donne aussi les tuteaux de palmiste. Le sac, nous retrouvons 200 sacs de tuteaux de palmiste. L'huile est actuellement vendue à 11 000 et les tuteaux de palmiste, le sac de 50 kg, est à 2500 francs. Comment êtes-vous organisé pour distribuer l'huile pour vendre? Bon, nous sommes en contact avec les clients. Nous connaissons nos clients. C'est pourquoi j'ai amené les savons ici pour vous montrer que le marché existe. Et nous sommes en contact direct avec nos clients. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, le client a toujours besoin. Quand il nous appelle, nous avons du stock, on lui livre. Et nous avons à notre disposition, grâce au concours que nous avons participer et acquérir un tricycle qui nous aide dans la livraison. Ceux qui collectent dans les villages, ce sont vos employés? Oui, ce sont nos employés. On les paie par truc là. Et commission? Par commission. D'accord. Et vous utilisez combien de personnes aujourd'hui? Ils sont 8 dans les villages, répartis dans les villages. Nous sommes un peu plus, dans la zone des lacs, Tablibo, et Thévié et autres là. D'accord. D'autres questions? D'accord. Merci pour la présentation. Vous avez dit que vous avez besoin de 120 millions. Oui, oui. Vous avez combien vous? Pour les 120 millions, ce n'est pas pour mon entreprise. C'est pour la coopérative que nous sommes en train de mettre sur pied pour pouvoir régler le problème d'achat à crédit sur le terrain. Donc, c'est parce que les gens achètent l'huile à crédit sur le terrain que vous vous êtes mis ensemble pour pouvoir réguler le marché. Donc, vu que vous serez ensemble, si je comprends bien, cela permettra à ce que le prix soit le même déjà et qu'il n'y aura plus forcément d'achat à crédit puisque vous êtes ensemble. Donc, l'acheteur ne peut que payer comptant. C'est bien l'idée. Donc, ce que vous défendez... Celui qui vient au comptant prend l'huile. Celui qui ne vient pas au comptant, il n'a pas de l'huile. D'accord, c'est aussi simple que ça. D'accord, ok. Maintenant, vous savez, c'est bien, il ne faut pas vendre à crédit déjà. C'est déjà quelque chose de très... Parce que nous n'achetons pas à crédit. Voilà. Tout le processus, tu dépenses de l'argent et au finish, il faut vendre ça à crédit. Alors, vous avez dit que le prix a chuté de 15 000 à 10 500. Oui. Est-ce que ces facteurs-là, vous les maîtrisez aujourd'hui en investissant autant? Qu'est-ce qui prouve que le prix ne va pas encore passer de 10 000 peut-être à 8 000 et vous allez vous retrouver dans des situations plus compliquées? Bon, à notre niveau, c'est la coopérative va racheter nos huiles et les conditionner à son niveau. Donc, c'est lui qui refuse le prix de l'huile sur le marché. Donc, la question du prix est réglée? Est réglée. D'accord. Merci beaucoup, M. Coussin. Merci pour la présentation. L'idée de transformation d'un produit local, elle est bonne, elle est novatrice, elle est géniale. Et la question à laquelle je me vais poser, vous avez un chiffre d'affaires annuel d'environ 48 millions. Oui. Quel est le bénéfice annuel à peu près? Ah oui, avoir le débauchage? Nous avons réalisé un bénéfice de 3 500 et quelques. 3 millions. Oui. Maintenant, tout le groupement, vous dites, a besoin de 120 millions, c'est ça? Oui. Vous-même, vous présentez le projet du groupement ou le projet en tant que vous, membre du groupement? Bon, le projet est le groupement. Là où vous êtes actuellement, vous parlez au nom de tout le groupement? Oui, je parle. Vous parlez parce que vous êtes membre et vous voulez
un financement qui vous permettrait d'être... Oui, je suis membre de la coopérative et notre désir est que nous inventons un futur meilleur pour notre domaine d'activité. Donc si on vous donne l'argent aujourd'hui, ouais. Ça appartient au groupement et non à vous-même. Et non à moi. C'est pas pour votre société, non. Pour votre structure non. Votre rôle dans le groupe, excusez-moi, oui, oui. Votre rôle dans le groupement, alors il est lequel? Vous êtes... Quoi dans nous le sommes, groupement quoi, nous, voilà. Nous sommes tous partenaires et oui. Des actionnaires dans le groupement. Ouais. Ok. Donc ce n'est pas en fait Kassipopo Group qui pilote seul le projet. Moi j'ai mis Kassipopo Group en avant pour pouvoir mieux expliquer le secteur d'activité. D'accord. Mais ce n'est pas Kassipopo Group. Oui. D'abord, vous allez nous expliquer pourquoi ce nom, après. Mais ce n'est pas Kassipopo Group qui gagne le prix si aujourd'hui il advenait que le prix vous revenait. Ce n'est pas Kassipopo Group que la Terreau Fertile va accompagner, par exemple. Il faudrait qu'on soit clair. Qui est-ce que Terreau Fertile accompagne si vous arrivez à remporter ça? Il faudrait clarifier là-dessus. Bon. Hier, j'avais parlé de le prix de 1 million. Si nous gagnons le 1 million, ça c'est pour Kassipopo Group. Okay. Et ça va nous aider à augmenter notre capacité d'approvisionnement de 6 tonnes d'amandes par mise. Ces 6 tonnes d'amandes par mise vont générer 99 bidons d'huile et 52 sacs de tuteaux de palmiste. Mm-hmm. Tout ceci avec une marge de 220 000 mm-hmm. la semaine. Mm-hmm. Voilà. Maintenant, la bataille que moi je mène, c'est pour notre coopérative, parce que nous voulons que les choses changent. Mm-hmm. Donc si je gagne, mm-hmm. c'est que vous avez confiance en mon projet, mm-hmm. qui a des résultats, mm-hmm. et que ces résultats soient avec la coopérative que nous formons. Mm-hmm. Ce qui veut dire que la coopérative est crédible, moi-même, mon entreprise aussi est crédible. Mm-hmm. Donc je ne peux pas prendre mon entreprise qui est crédible pour rentrer dans quelque chose qui n'est pas crédible. Ce n'est pas ricocher ouais. La coopérative qui bénéficierait de sa mère, oui, proprement bénéficiaire direct, c'est vous. D'accord, le maire, c'est clair. Monsieur Cloutier, Yaovi, merci beaucoup. Merci. Vous pouvez disposer. Nous raccompagnons le candidat Cloutier Yaovi Cédro qui vient de nous présenter le projet Kassipopo Group. Et nous accueillons le projet Miganvo de monsieur Nyanou Kloussé. Nous accueillons à présent M. Nyanou Kloussé. Il va nous présenter le projet Miganvo. Le candidat a donc 10 minutes, 5 minutes pour présenter son projet et 5 autres minutes sont accordées à notre jury pour les questions. Allez-y, monsieur. Aussi dépend d'une présentation et ça risque de l'embêter. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis monsieur Nyanou Kloussé, le concepteur et promoteur des fourneaux écologiques Miganvo et du charbon de coque de noix de palmiste. Nous nous étonnons aujourd'hui. Nous nous étonnons aujourd'hui que la mer qui était à des milliers de mètres de notre route Lomé à Neho est aujourd'hui à quelques dizaines de mètres. La pluie ne vient plus au moment attendu, mais plutôt
en cacophonie. Je me rappelle très bien qu'en 92, le charbon de bois était à 25 francs. Il y a les gens plus âgés que moi ici dans la salle et derrière l'écran. Ils peuvent en témoigner. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas 100 francs, tu ne peux pas cuisiner. Mais ce qui m'étonne encore plus, c'est qu'il y a nos parents dans les villages qui coupent aussi abusivement tous les jours les arbres pour avoir du charbon, de la charpente, du bois de chauffe ou autre. La liste est longue. Vous aurez donc constaté que tous les efforts des gouvernants, des ONG, des associations comme Terre Fertile, par exemple, pour endiguer la coupure abusive des arbres, n'a pas d'impact visible sur le terrain. Alors, nous nous disons, à notre niveau, que pour retirer un téléphone portable 1 plus 1 d'un enfant, il suffit de lui apporter ce téléphone Android. Il va accepter. Et c'est là où vous allez voir. Donc, c'est pourquoi nous proposons les fourneaux écologiques Migavo à charbon de coque de noix de palmiste deux fois et trois fois plus économique que tout foyer au monde. D'ailleurs, je ne peux pas m'en passer de la promesse, de ma promesse de tous les jours. Nous nous engageons entièrement à mettre à votre disposition des fourneaux écologiques deux fois et trois fois plus économiques que le gaz et le charbon de bois. Et si vous en achetez, vous constatez le contraire, alors interpellez-moi. Alors, comment fonctionnent réellement les fourneaux écologiques Migavo? Suivez la vidéo en même temps que moi. J'espère que ça marche. Les fourneaux écologiques Migavo sont dotés d'attiseurs automatiques et de régulateurs vous permettant de diminuer ou d'augmenter l'intensité du feu. Il est doté de kits solaires vous permettant d'avoir de l'éclairage et de charger vos téléphones portables sans avoir recours à l'électricité classique, je veux dire de la société. Et aujourd'hui, nous comptons apporter ce bien à au moins 25 000 ménages ici au Togo à travers la nouvelle technologie des objets connectés et de mobile money, autrement dire vendre à crédit et recevoir l'argent par mobile money. Et pour cela, nous avons besoin de ce prix et après d'une levée de fonds de 195 millions de francs CFA pour avoir des équipements, du matériel et des matériaux les plus adaptés et du personnel qualifié. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. La question. J'avoue que j'ai été pris de court de la fin, mais bon. Alors, actuellement, vous avez besoin de combien? 295 millions. 295 millions. De francs CFA. Pour étendre notre marché. Alors, vous avez besoin de 195 millions. Oui. Postuler pour avoir un prix dans le montant maximum est 1 million. Ça veut dire que c'est pas, ça fait même pas 0,5% de ce que vous sollicitez. Donc, moi, je me dis que si vous avez ces sous-là, vous n'allez pas faire ce que vous voulez faire avec. Et que je préfère donner à quelqu'un qui a un projet peut-être de 5 millions, au moins il aura 20% de son capital. Oui. Il y a nos grands-parents qui disent que. Je vais dire ça dans ma langue. Allez-y. Tchurururui, ignore tchururu. Petit, vaut mieux que rien. Et donc, si j'avais commencé très loin avec mes petits moyens, ajouté à cela, ça me propulserait encore plus avant d'attendre la levée de fonds. D'accord. Maintenant, les 1 million là vont vous servir à quoi concrètement? Oui. Donc, aujourd'hui, si je reçois les 1 million, d'abord,
je vais rénover ma structure. Ok, elle est comment actuellement et qu'est-ce que vous allez faire? Oui, il y a beaucoup de choses à remettre. Comme? D'abord, j'ai les machines de carbonisation. Mm-hmm. Que, actuellement, j'ai eu nous avons une autre nouvelle machine que nous n'avons pas encore terminée. On doit terminer pour pouvoir produire en quantité. Donc vous concevez les machines, c'est ça? Nous avons une technologie propre à nous-mêmes pour la production de ce charbon. D'accord, continuez. Ensuite, vous allez faire quoi avec les 1 million? C'est ce que je disais, que nous allons renouveler la structure. Actuellement, nous n'avons pas encore le brevet sur le truc. Le produit. Et donc, dans ça, là, nous allons avoir le brevet. La machine est vendue à combien? Quelle machine? Celle que vous produisez. Je n'aime pas qu'on l'appelle machine. Bon, ok, d'accord. Je l'appelle le fourneau. Le fourneau écologique Migavo. D'accord, ok. Le fourneau est vendu à combien? Actuellement, nous sommes en promotion. Nous avons repris nos activités très bientôt, très récemment. Et donc, nous sommes en promotion pour pouvoir attirer encore beaucoup plus de clients. Et nous avons un modèle que nous appelons classique que vous pouvez utiliser avec l'électricité de la CET. Et ça, c'est à 30 000 francs. Nous avons, avec le kit solaire que vous pouvez avoir avec 45 000 francs. Et puis, 55 000 francs, vous avez tout le kit solaire avec vous. D'accord. Parce que quand vous avez commencé par parler de l'environnement, oui. Vous avez parlé de l'avancée de la mer, donc réchauffement climatique. Oui. Et quand vous vendez un modèle qui est basé sur l'énergie de la CET, qui justement, la source d'énergie est celle qui crée le problème d'environnement, oui. Alors vous réglez un problème, oui. Mais vous le développez encore. Non, je vais vous répondre tout simplement. Allez-y. Actuellement, nous remarquons que quelqu'un qui va dépenser, qui va sortir 45 000 francs de sa poche, immédiatement, leur revient très cher. Et donc, nous avons voulu commencer les aider à acheter celui-ci. Ceux qui veulent, bien sûr. Mais lorsque vous venez acheter en même temps, on vous explique en même temps que ça, c'est ce qui vous convient le plus. Mais si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez acheter celui-ci. Et en attendant, vous ajoutez le kit solaire. C'est ce qui nous permet pour le moment d'avancer. Sinon, si on veut coûte que coûte vendre ceci, on risque de fermer depuis. D'accord. Et votre chiffre d'affaires annuel actuellement? Nous avons repris actuellement ça, notre activité en le 10 septembre passé. Et aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre exact, mais nous avons déjà vendu au jour d'aujourd'hui 10 fois. De septembre à maintenant. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Pour la présentation. Merci beaucoup. Et tout ce que vous dites par rapport au chiffre d'affaires, l'activité, votre entreprise a commencé quand concrètement? Quand est-ce que vous avez commencé? Nous avons commencé en 2018 par être réellement sur le marché, puisque c'est un journal qui nous avait révélé voilà, en ce moment. Vous avez stoppé vos activités entre-temps ou bien vous êtes depuis 2018, vous continuez? Nous avons freiné entre-temps à cause des moyens financiers. Parce que dans votre document projet, vous avez dit que votre chiffre d'affaires annuel, ça fait 140 millions. Oui, et ça c'est une projection que nous avons. C'est pas une projection. Le document projet. Voilà, c'est bien écrit. C'est pas une projection. Il y a d'abord le chiffre d'affaires annuel que vous avez réalisé et la projection sur 3 ans. Mais déjà, vous dites que vous avez 140 millions déjà annuel. Ça veut dire que c'est à la moyenne. Mais je m'étonne aujourd'hui que vous dites que c'est à peine 10 foyers que vous avez. Qu'est-ce qui vous prouve aujourd'hui que vous allez pouvoir réaliser les 650 millions à l'horizon de 3 ans? Oui, puisque moi je suis toujours dans ma logique de projection, je vais vous répondre par rapport à ma logique de projection. Oui, donc aujourd'hui, si je reste sur mes moyens de bord, franchement, je ne peux pas atteindre ça, nous ne pouvons pas atteindre ça. Mais si nous avons tout le
les moyens nécessaires, je vous garantis, nous allons dépasser ça. C'est-à-dire que si nous avons tout le soutien nécessaire aujourd'hui, en un an, je vous garantis que nous allons dépasser. Vous comptez seulement sur la production ou bien vous comptez sur d'autres stratégies et marketing ou... Quels sont les facteurs sur lesquels vous basez pour estimer effectivement que vous allez dépasser ça? Oui. Encore que vous utilisez une énergie qui n'est pas aussi partout, même à Lomé. Le courant électrique, je ne la vois pas partout, même dans mon quartier, il n'y a pas le courant. Et puis, le prix pour un citoyen lambda, comme vous l'avez dit. Donc, sur quelle stratégie, aujourd'hui, quelle position actuellement, vous comptez vous intéresser? Actuellement, par exemple, nous sommes en train de faire les ventes à tempérament. C'est-à-dire, nous vous donnons le produit, vous payez une partie, et après, vous revenez payer par échéance les autres, les parties restantes. S'il ne paye pas, vous le faites quoi? Vous lui retirez le produit? Oui, ça c'est le risque que nous courons actuellement. Puisque nous devons avancer, nous devons faire adhérer d'autres clients. Puisque actuellement, nous n'avons pas la capacité nécessaire pour pouvoir faire une communication, une bonne communication autour du produit. Et donc, nous basons sur les utilisateurs pour pouvoir faire encore plus pour avoir plus de visibilité. Et aujourd'hui, sans vous mentir, c'est nos anciens utilisateurs qui nous font encore plus de publicité. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Nyanou. Vous remercions. Vous pouvez vous retirer. Merci donc au candidat Nyanou Kloussé qui nous a présenté le projet Miganvo. Nous le raccompagnons pour accueillir à présent le dernier candidat, Monsieur Sekola Kokou Sichope, qui va nous présenter le projet Engineers Make. Nous accueillons à présent M. Sekona Kokou Sichope qui nous présentera le projet Engineers Make. Je rappelle que le candidat va bénéficier de 10 minutes exactement, 5 minutes pour présenter son projet, 5 minutes pour répondre aux questions de notre jury. Candidat, présentez-vous s'il vous plaît. Cher public et monsieur le membre du jury, bonsoir. Je suis Sekona Kokou Sichope, étudiant en génie mécanique à l'École nationale supérieure d'ingénieurs Université de Lomé et également le promoteur du projet et Engineers Make. Selon vous, pourquoi l'Afrique a enregistré jusqu'à 37 000 décès et 1 million de cas positifs au Covid-19 malgré sa population jeune, moins dense, mais également un climat tropical? Eh bien, l'essentiel de cette transmission s'est fait par contact physique des personnes avec les lave-mains publics où nous comptons en moyenne jusqu'à 50 personnes pour un lave-mains. C'est ainsi que nous avons développé les lave-mains électroniques à détecteur d'approche qui, une fois les mains à moins de 20 cm du robinet, envoie automatiquement à l'utilisateur du savon liquide et 15 secondes après, il lui envoie de l'eau et puis lui sèche automatiquement les mains. Nos lave-mains sont simples d'utilisation car ils se déclenchent juste à l'approche des mains d'une personne, ce qui les rend utilisables aussi par les paralytiques. Et ils sont également équipés d'un système solaire permettant leur utilisation dans les campagnes où il n'y a pas d'électricité. Mais également, ils obligent toutes les personnes à se laver les mains sur 30 secondes d'après les recommandations de l'OMS. Nos différents clients, notre marché, ce sont les écoles, les églises, les hôtels, les hôpitaux et les centres de santé également. Différents modes de commercialisation nous permettent de nous adapter à chaque profil de clientèle. D'abord, il y a la vente qui s'accompagne de 3 mois de garantie
l'allocation mensuelle de nos labs, et chaque achat à titre individuel peut s'effectuer par un paiement en tranche. Nous avons donc besoin de 25 millions de francs CFA comme investissement avec une participation de 10% qui nous permettra de produire 500 labs pour répondre à la demande du marché. Prochainement, nous pensons intégrer sur nos labs des capteurs de température à infrarouge qui, eux, devront afficher la température de la personne, mais également une voix robot sur le labs permettant de rappeler aux personnes de se laver les mains. Et finalement, la connexion de nos labs aux sources d'eau permettant une alimentation continue de ces derniers. Pour équipe, nous formons une équipe de 3 personnes, moi qui suis étudiant à l'INSI, il y a Jean Amouzou qui est étudiant à l'IAMAC et M. Sekona Freeman qui est électronicien. En annexe, je mets une vidéo montrant le mode de fonctionnement de la machine et, bon, que nous avons installée dans une mairie. Merci beaucoup. Pardon, la vidéo n'a pas été. La vidéo aura du mal à passer. Mais décrivez-nous rapidement, puisque vous avez utilisé jusque-là 3 minutes. Vous pouvez encore utiliser une ou 2 minutes. Décrivez-nous. Dans la vidéo, c'était une fille, c'est une démonstration de la machine à la mairie, où la fille qui avance juste à mais elle reçoit du savon sur 1 seconde. Et il y a 15 secondes qui séparent le temps de sortie du savon liquide et de l'eau. Donc ces temps donc, vont lui servir à se gratter les mains. Et après, il sort automatiquement de l'eau. Et puis finalement, ça lui sèche les mains. Donc, le mécanisme devrait prendre 30 secondes d'après les recommandations de l'OMS. Okay. C'est ça la vidéo. Question. Je comprends. Question. D'accord. Merci pour votre présentation. Elle est intéressante, il faut le reconnaître. Mais elle est contextuelle, au fait. C'est vrai que la crise sanitaire a donné des opportunités comme celle que vous présentez. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit qu'on va finalement s'habituer à vivre avec la maladie et que peut-être selon effectivement des spécialistes, au bout de 2 ans, peut-être qu'on se retrouvera avec un vaccin ou on aura un traitement. Maintenant, si avant cela, peut-être 6 mois après, la maladie n'est plus forcément d'actualité, que devient votre modèle au fait ? Puisque dans votre argumentaire, c'est ce qui revient. En fait, je peux dire que c'est et la crise qui a créé l'opportunité de concevoir ce lave-main. Oui. Mais le lavage de main, même, c'est, je dirais, un bienfait. Bon, le lavage de main a été signalé lors de la maladie de la choléra. Je ne sais pas si on se rappelle. Ça a été conseillé par l'UNICEF et les organismes de santé. Donc, et ça ne sera pas seulement adapté à la crise, mais on pourra aussi les produire hors crise. Seulement que, même et à la fin de la crise, il y aura quand même une chute. C'est-à-dire que les gens ne pourront pas s'habituer quand même. Et nous avons pensé aussi à créer d'autres modèles. C'est-à-dire peut-être à les installer dans les douches et les lavabos qui sont dans les douches. Donc, on pourra les changer leur forme et les intégrer comme ça. Et ouais. Vous le vendez à combien? Et 80 000. 80 000. Oui. Et vous avez parlé d'allocation mensuelle, ce n'est pas dans votre modèle économique, vous avez parlé de l'allocation mensuelle à un moment donné dans la présentation, vous vous rappelez? Non, il se peut que ce soit... Les 80 000 sont payables cash, c'est tout ce que je voulais savoir. Bon, ça dépend. J'ai dit dans la présentation que si c'était... si c'est à titre individuel, et la personne peut le payer par tranche, mais pour les sociétés, elle paye cash. Et comment vous avez évalué la demande du marché pour parler des 500 que vous voulez Il y a les chefs d'entreprise qui sont les chefs d'entreprise qui ont des entreprises puis les entreprises multiples. Eux, ils sont prêts à Nombre par exemple. Vous avez contacté vous-même ou bien votre staff combien d'entreprises et l'étude là s'est faite sur combien de temps? Et sur les 4 derniers mois. 4 derniers mois. Ouais, et vous avez pu cibler combien d'entreprises? Environ cinq. Oui. Et donc, chaque entreprise va payer 100? Non, ils ne vont pas payer 100. Il y en a aussi d'autres. Bon, ce n'est pas seulement les entreprises. Il y a certaines pharmacies, même certaines revendeuses qui sont prêtes à prendre le stock. Si le stock est prêt, ils sont prêts à le prendre. C'est des intentions d'achat ou c'est des promesses? C'est des promesses. OK. Oui. Donc, vous êtes sûr que vous allez vendre sur des promesses? Oui. Parce que quand les promesses n'engagent que ceux qui les... Vous connaissez le dicton? Donc, c'est votre modèle, il peut être intéressant,
Mais aujourd'hui, il y a tellement de dispositifs au fait. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Quelle est l'innovation en fait? L'innovation, c'est d'éviter aux personnes d'avoir des contacts physiques avec les lames. On voit que dans les marchés. Oui, oui, ça, il y a des modèles. Ce que vous présentez là, ces modèles existent. Il y en a certains, mais très rares. C'est-à-dire souvent dans les hôtels ou les. Oui, justement, quand vous innovez, au fait, la question n'est pas de savoir si ce que vous apportez existe en petite quantité ou en grande quantité. Est-ce qu'elle existe? Oui. Si elle existe déjà, c'est que ce n'est plus une innovation. Bon, et au fait, nous avons... N'est-ce pas? Oui, notre système dispose d'un seul robinet par lequel sort le savon et en même temps l'eau. Je vous dis que ça existe aussi, au Togo. Bon, peut-être que je n'ai pas... Nous sommes en 7 mois de crise. Oui, voilà. Et c'est maintenant que vous venez sur le marché. Nous avons commencé la production depuis avril, je pense. Non, moi je suis même d'accord avec vous. C'est-à-dire que vous avez commencé, ça fait 7 mois. Et vous ne m'entendez pas? C'est bon. C'est bon maintenant? C'est bon? Oui. D'accord. Donc, vous avez commencé, ça fait 7 mois. Donc, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas... Le meilleur moment pour vendre, c'est maintenant. Parce qu'après, si on arrivait à avoir un moment où si la crise s'atténuait, ça va être un peu plus difficile de vendre. Donc, je suppose si votre projet est bon et rentable, c'est un bon projet, je suppose que depuis avril jusqu'à octobre aujourd'hui, vous devez faire des chiffres colossaux. Oui. Vous en avez fait? Pas assez. Bon, on avait fait un chiffre. Donc, c'est qu'il y a un problème. 1 million. Si vous n'en avez pas fait maintenant, je ne sais pas quand est-ce que vous allez le faire. Oui, bon, et un chiffre d'affaires de 1 million. Mais non, je vais regarder. Je sais pourquoi je vous pose cette question. Nous avons mis combien? 2 millions de chiffres d'affaires. Et les perspectives? Les perspectives, ils projettent 3 millions. 3 millions? Oui. Non, les perspectives, quadruplées. Quadruplées. Donc 2 millions fois 4? 8 millions. 8 millions. 8 millions sur quel Sur 3 ans. Sur 3 ans. C'est tout? Parce que nous pensons bon, à la vitesse où vont les choses, la fin de la crise et tout ça. Là. Ce sont les prétentions. Parce que comme il a dit, le projet est un peu, moi je le trouve contextuel. Et justement, pour profiter du contexte, moi je ne suis pas contre qu'on saute, c'est les opportunités qu'on se ressort des difficultés. C'est tout à fait normal. Pour moi, c'est l'opportunité qu'il faut saisir. Normalement, à ce moment-ci, ça doit sortir. Vos machines doivent sortir. Donc, c'est que quelque part, il n'y a pas une politique commerciale derrière. Ou alors un plan, une stratégie commerciale qui fait que, en ce moment de crise où les gens ont plus besoin de ces machines pour se laver les mains, vous ne vendez que quelques-uns, ou alors vous donnez le nom de 5 clients potentiels à qui vendre. C'est qu'il y a un problème. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que quand vous avez mis, pourquoi vous avez créé votre start-up, la réponse a été pour répondre à toutes les inquiétudes de la population en énergie et en électronique. Mais pourquoi vous ne diversifiez pas? Oui, pourquoi est-ce que vous ne dites pas que... Moi, j'aurais bien aimé que vous soyez là, vous dites, ben, on fait des lave-mains juste pour ce cas de Covid, mais en même temps, on a d'autres produits à mettre en avant. Il y a d'autres choses, puisque vous êtes ingénieur, je crois, non? Ah, oui. Voilà. On a d'autres produits à mettre en avant. Mais dans ce cadre-ci, peut-être que c'est les lave-mains juste que je présente. Je trouve que c'est un peu réduit et restrictif de rester dans le domaine de lave-mains, vu votre domaine de compétences. Oui, et dans le PowerPoint, je ne sais pas si... Bon, ça s'est passé, mais il y a les différents produits que nous fabriquons. Nous sommes en train de concevoir un générateur énergie libre qui, lui, devra produire de l'électricité sans apport extérieur. C'est-à-dire, lui, il est comme une centrale électrique qui produira. Donc, nous avons commencé... Nous sommes presque à la fin, presque à 80%. Nous avons fait les premiers tests la fois passée. Nous sommes en train de concevoir aussi les masques intelligents. Les masques, eux, ils devront par une scanner de la salive d'une personne. Le masque, c'est encore Covid. Hein? Ouais, ce sont les différents, les différents modules que nous développons. Également, nous avons développé les chargeurs à autonomie illimitée pour les ordinateurs portatifs. Ça veut dire quoi? J'ai pas compris. Hier, effectivement, j'avais eu dire ça. J'ai voulu comprendre c'est quoi les chargeurs autonomie illimitée. Ouais, ce sont des chargeurs. Ils fonctionnent aussi comme avec le mécanisme d'énergie libre. C'est-à-dire, ils produisent leur propre énergie pour alimenter. Et ce sont spécifiquement pour les ordinateurs. Oui, mais pourquoi
C'est-à-dire que ces chargeurs ne vont jamais se décharger ou bien... Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils recréent leur propre énergie, pas le système d'énergie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ouais, merci de m'informer. C'est également le mécanisme de notre générateur d'énergie. Lui, il peut alimenter toute une maison. C'est lui-même qui produit son propre électricité. Donc, il n'a qu'une sortie, il n'a pas d'entrée. C'est un mécanisme qui doit être... Donc, tablez dessus. C'est-à-dire qu'il y a tous ces... Oui, voilà. Tout ce que vous développez, tablez dessus. Faites-les ressortir. D'accord. Ne restez pas cantonné au masque ou alors au lave-mains. Rien que les lave-mains à présenter. Donc, montrez, au fait, l'étendue de ce que vous créez ou de ce que vous apportez. D'accord. Moi, c'est la remarque que j'avais à faire. C'était plus une remarque qu'une question. Merci beaucoup. Et je voudrais... pour ne pas répéter les collègues, dire que votre projet est circonstanciel. Avec les vaccins COVID qui sont en cours de test, je me dis, si 2021, on nous dit qu'on a trouvé un vaccin, tout le monde n'a qu'à aller, je ne pense pas que vous puissiez encore avoir l'opportunité de vendre suffisamment, même si des ménages pourraient être amenés, la demande va chuter. Ça, c'est un. De deux, moi, j'aurais préféré... que tout ce que vous nous dites actuellement, que vous êtes dans l'énergie, la production des matériels dans l'énergie libre, si c'est ce projet-là, je me dis que ça va aider même les milieux ruraux, les maisons non électrifiées. Hein, ça aurait été beaucoup plus intéressant de coupler. J'ai vu que vous avez écrit quelque chose comme ça, que vous comptez créer, avoir 450, un appareil de 450 gigawatts, mais pas trop suffisamment et développé. Mais je voudrais rebondir. Vous aviez déjà, vous dites que vous avez commencé en avril, mais déjà votre chiffre d'affaires annuel dans votre ce que vous avez rempli, ça fait 2 millions. Et vous avez besoin seulement de 3 millions dans votre projet pour commencer, si j'ai bien lu le document. Si vous arrivez déjà à faire un chiffre d'affaires de 2 millions, chercher 3 millions, c'est pas compliqué. Et je ne pense pas que ça puisse être trop compliqué. Non, c'était une erreur. J'ai recollé un PowerPoint que j'ai. C'était une erreur. J'ai, dans la présentation, j'ai demandé un financement de 25 millions. De 25? Oui, oui, oui. Peut-être qu'il y a une erreur dans ce PowerPoint que j'ai recollé. C'est la saisie. D'accord. Donc, c'est globalement, nous avons avec ce que nous avons sous le. Nous parlons sous la barre de ce que nous avons sous la main. Et puis, vous êtes passé hier, ici, Mme Boutier. Oui. Si vous l'avez corrigé, certainement que ce serait oui, je l'ai corrigé. Bon, donc, c'est pour dire que le positionnement de votre projet sur le marché et sa viabilité n'est pas suffisamment démontré. C'est cela que les collègues vous posent la question, comment vous comptez après vous insérer ou rester longtemps sur le marché. Oui, bon, il y a les... Vous avez d'autres stratégies à nous développer. Oui, bon, il y a aussi le projet WASH de UNICEF, je pense, qui lui pense prescrire les lave-mains à la population, même après la crise, parce que c'est... Une chose importante, bon, c'est une opportunité, mais je ne dis pas que ça sera aussi constant que ça. Mais nous allons transformer cela en d'autres modèles pour les installer dans les douches, les toilettes et tout ça. Là. Donc, ils vont remplacer ça. Nous allons produire donc c'est les lavabos des toilettes, mais ce sera aussi avec des capteurs, les détecteurs de mouvement. Et donc, nous pensons aussi aller de ce côté, plutôt que de rester sur le lavage de les modèles présents. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Sepona. Vous pouvez vous retirer. Nous vous remercions. Nous accompagnons notre dernier candidat, M. Sepona Kopu Sitiope, qui nous a présenté le projet Engineers Make. Et nous allons également accompagner notre jury pour la délibération. Mais avant ça, j'aimerais préciser que les critères d'évaluation pour cette finale sont la conception du projet, le profil entrepreneurial, la qualité du pitch. Et voilà, un total donc sera rendu et vous allez retrouver nos trois lauréats tout à l'heure après la délibération.
Voilà, merci infiniment donc de rester en notre compagnie. Nous sommes à la dernière soirée donc du salon Férine, deuxième édition. Et je rappelle que ce salon est 100% digital, donc un grand merci donc à vous qui nous avez suivis, qui avez partagé ces directs, qui nous avez suivis sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook et même Instagram, pourquoi pas, et sur Zoom également, et sur le www.salonferine.com. Vous étiez là avec nous pour la finale du concours Tifertile. Et nous allons à présent accueillir notre jury pour nous donner les résultats. Donc, avec la complicité de la régie, je vais donc inviter notre jury qui se compose de Monsieur le Président, Monsieur Michel Dorquenou. Il nous vient d'Orabank. Il s'est excusé. Il sera donc représenté par le reste du jury. On poursuit avec Monsieur Kwami Obosu, le rapporteur qui nous vient de l'OTR. Merci donc de l'accueillir en musique, s'il vous plaît. Nous allons inviter Madame Bileyo Donko. Elle est la présidente de l'association Terreau Fertile. Cette association même qui organise le Salon Férine. Elle est membre du jury. Et nous allons finir avec Monsieur Komi Aoku. Il nous vient du PNUD. Il est également membre de ce jury. Merci infiniment. Thank you.
l'assistance. Nous sommes à la fin du processus d'évaluation des projets des startups dans le cadre du concours Terre Fertile. Et au total, nous avons eu pas mal de candidats, après 7 projets qui ont été remontés à la finale, après la demi-finale. Et il faut dire que 3 projets sont des projets d'originalité. Et chaque candidat a donné le meilleur de lui-même pour valoriser vraiment son projet. Et nous tenons vraiment à féliciter les jeunes startups pour le niveau relativement plus élevé dont ils ont fait preuve au cours de cette édition. Et pour les résultats, nous avons le vote du public qui est également un facteur d'évaluation dans le cadre du projet. Et puis il y a le choix du jury, disons la délibération du jury suite à la présentation que chaque candidat a eu à faire. Et en termes de résultats, si nous considérons le vote du public, le projet qui vient en première position, c'est le projet Live Loi de Madame Bakolé Elsa, qui est en première position comme projet voté par le public. Il faut dire que Madame Bakolé a présenté un projet qui est social mais également économique et qui porte sur le plaidoyer pour les femmes victimes de violences. Et donc toute la stratégie d'écoute et la stratégie de mise en contact des femmes victimes de la violence avec les acteurs aussi bien sociaux que les organisations de la société civile, et à partir de la plateforme électronique qu'elle compte y mettre en place, vraiment, ça a retenu l'attention du public et nous, le jury profite pour lui adresser toutes nos félicitations pour la qualité de cette présentation. D'accord. En ce qui concerne... Alors, ce que je propose, c'est justement qu'on puisse décerner déjà le prix pour ce troisième projet, donc sélectionné. Le prix, je vais inviter donc Madame Linda Amédian Aïe. Elle est la chargée de communication du Salon Ferring édition 2020 à décerner donc ce prix avec la complicité de notre charmante hôtesse. 300 000 francs CFA qui sont remportés justement par Madame Bakolé Elsa pour le projet Loïve. Faisons rapidement les photos. Alors, 300 000 francs CFA. Et nous avons également une carte carburant T-Wall d'une valeur de 50 000 francs CFA qui va donc accompagner ce chèque de 300 000 francs CFA. Une carte T-Card, donc le T-Wall de 50 000 francs CFA, qui doit être décerné par Madame Bilayou Donko, la présidente de l'association Terreau Fertile. Merci s'il vous plaît de l'accueillir. Merci aux photographes. Félicitations. De saisir l'instant. Félicitations donc à notre lauréat, Madame Bakolé Elsa, pour son projet de groupe. Et nous repassons justement la parole. Merci beaucoup, Madame. Tu as la liste. Nous poursuivons la proclamation des résultats. Nous allons passer au prix du meilleur entrepreneur au féminin.
Et ce projet, ou ce prix revient au projet de Madame Govisika Light, un projet qui s'appelle Agri Light. Il faut dire que nous invitons Madame. Un projet de culture climat vert dans la région Pont-de-Vital, un projet qui s'exprime aussi bien dans la production biologique et locale et qui a également une rentabilité ou un positionnement sur le marché. Et nous espérons qu'avec l'accompagnement, elle peut véritablement fructifier ou atteindre ses objectifs. L'objectif final, c'est de trouver les moyens pour venir en aide aux enfants de la rue. Madame, félicitations pour la qualité du travail. Pour décerner ce prix, j'aimerais inviter donc M. Kwami Obosu. Il est le directeur de l'Institut des formations fiscales et douanières IEFD et également OTR pour la remise. Je rappelle donc que c'est un chèque de 500 000 francs CFA pour le projet AgriLife. Félicitations à notre lauréat. J'aimerais à sa suite donc inviter M. Joseph Atapa, il est le chargé des programmes de l'association Terreau Fertile, à venir donc avec la carte carburant Tiwa d'une valeur de 75 000 francs CFA, également à décerner à notre lauréat. Merci s'il vous plaît de l'ovationner. Merci aux photographes d'immortaliser ce passant. Nous raccompagnons donc notre lauréate. Merci et félicitations pour ce prix. Et nous revenons au jury pour le premier prix d'une valeur d'1 million de francs CFA. Je veux bien qu'on puisse garder un tout petit peu le suspense. 1 million de francs CFA, nous avions eu 7 très 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 bons projets. Et je vous rappelle également que nos candidats sont passés présenter ces projets et ont dû répondre dans un vrai stress aux différentes questions, quoique très difficiles, de nos panélistes. Et vous allez voir, celui-là même, ou cette personne qui va repartir avec ce chèque d'une valeur d'1 million de francs CFA et qui a certainement bien défendu son projet, un projet qui rentre totalement donc dans la ligne directive des projets sociaux, également dans la ligne directive des projets entrepreneuriaux, justement, de l'association Terreau Fertile. Le suspense, il est toujours là. Je sais que vous êtes impatient de savoir, je le suis également. Mais nous allons donner quelques secondes à nos jurys ou à notre jury pour nous dire le nom donc, de cette personne qui repartira avec ce chèque. On peut également attendre demain matin. Hein? Merci beaucoup, madame. Et nous allons à présent donner le prix du meilleur projet d'entreprise, comme je l'avais dit. Tout le monde ou tous les candidats n'ont pas démérité. Nous avons eu des projets de qualité. Chaque candidat a convaincu le jury. Mais puisqu'il fallait toujours que quelqu'un soit meilleur, le choix était difficile. Mais quand même, nous pouvons dire qu'on a senti quand même du talent et aussi des efforts qui sont faits par rapport à certains projets auxquels nous avons eu à participer de par le passé. Et une fois encore, nous félicitons tous les candidats. Et même si aujourd'hui on n'est pas le meilleur, ça ne veut pas dire qu'on abandonne l'idée entrepreneuriale. Et être entrepreneur, c'est aussi être combatif, être entrepreneur pour le meilleur. On doit toujours travailler pour améliorer son activité. Et donc sur ce, le jury, après délibération, le meilleur projet d'entreprise, le projet numéro 10, Kasi Popo Group, qui est porté par Kousset Yaoudi. Il faut dire que
chaud. On t'invite à la magie. Y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. C'est bien faire la folie. Il s'agit d'un projet de transformation de palmiste en huile. En huile qui est conditionnée dans des bidons et donc livrée à des entreprises également locales qui l'utilisent pour la fabrication du savon. Et le résidu de la transformation est utilisé comme tourteau pour l'élevage aussi bien des animaux que des poissons. Donc nous avons une chaîne de valeur qui est issu d'un produit locaux. Et déjà, c'est une entreprise qui est déjà sur le marché, qui connaît ses offres, qui connaît la demande et qui déjà a une insertion non négligeable sur le marché. Et nous espérons qu'avec cet accompagnement, le groupe Cassis Popo pourrait mieux ordonner ses activités avec l'accompagnement de Terreau Fertile, bien sûr, pour encore aller de l'avant comme il le souhaite. Avec, au nom des membres du jury, nous vous adressons tous nos compliments et toutes nos félicitations à vous et à tous les membres. Espérons que vous n'allez pas baisser les bras, que vous allez toujours travailler pour encore des succès meilleurs. Félicitations. Le prix meilleur produit d'entreprise revient donc au projet Cassis Popo Group de M. Cloutche Yaovi Cedro et donc pour lui décerner son prix. J'aimerais inviter M. Komi Aoku, responsable de l'exploration laboratoire d'accélération et également il est au PNUD, à venir. Et je vais demander également à Mme Bineyo Danto. Sponsor officiel. Hein. Oui. Le PNUD, donc, qui est le sponsor officiel de cette deuxième édition du Salon Périne. Et je vais demander également à Mme Bineyo Danto, la présidente de l'association Terreau Fertile, à les rejoindre avec une carte carburant Tiwa d'une valeur de 100 000 francs CFA. Merci, s'il vous plaît, d'ovation. Terreau Fertile et merci à M. Komi Aoku.
J'aimerais cette fois-ci inviter tous les candidats. Nous avons eu quand même 12 très bons projets. 7 projets ont été retenus et au final, 3 repartent donc avec les prix. Nous allons inviter nos candidats qui ne déméritent pas pour la photo d'ensemble, mais les lauréats pour la photo d'ensemble. Les lauréats. Madame Bakolé Elsa, qui est à la 3e place. Les autres candidats qui n'ont pas démérité, nous allons les féliciter pour la présentation de leurs différents projets avec des acclamations bien nourries et nous allons également les remercier pour ce magnifique travail. Photo d'ensemble. Mais j'aimerais bien garder Madame Bileyo Donko avec moi. Nous allons finir cette deuxième édition du Salon Perrine en beauté et passer donc la parole à la présidente de l'association Terreau Fertile qui s'est donné le plaisir et également tout le travail pour préparer ce salon. Ce ne fut pas facile, c'est vrai. On va revenir un tout petit peu sur l'organisation. Et nous allons également remercier nos différents partenaires qui nous ont soutenus, notamment le partenaire officiel, le PNUD. Je vais vous laisser avec Madame Donko Bileyo. Elle est la présidente de l'association Terreau Fertile pour son discours de clôture. Un discours, ce n'est pas le terme approprié. C'est plutôt un résumé et un récap de tout ce que nous avons eu à vivre ces deux jours. Donc, avant d'aller dans les remerciements, je voudrais spécifier que, d'abord, féliciter tous les lauréats de ce concours Tifertile pour l'excellent travail qui a été fait, pour les excellents projets qu'ils ont eu à nous présenter, également tous les candidats qui n'ont pas démérité. On avait de très, 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 très bons projets.
ça a été très dur de pouvoir en sélectionner trois. Donc, sachez que les projets qui avaient été retenus, les sept déjà et les presque centaines qui avaient été retenus étaient de très, très bons projets. Donc, félicitations à tout le monde d'abord. Ensuite, je voudrais annoncer une très bonne nouvelle parce que peut-être certains se sentiront déçus, mais je voudrais, comme je le disais, annoncer une bonne nouvelle. C'est celle de la capacité financière d'un montant de 2 millions qui a été voté par un généreux donateur pour pouvoir accompagner les projets n'ayant pas été pris, mais qui quand même ont une bonne ressource, un bon potentiel. Donc je dis que l'espoir est encore permis. Donc pour tous les projets qu'on a vus qui avaient quand même du potentiel, qui avaient de la consistance, mais on ne pouvait pas décerner de prix à tout le monde, nous avons quand même un capital de 2 millions qui a été mis de côté par un généreux donateur pour accompagner ces projets-là. Donc c'est sûr que ce n'est qu'un au revoir, on va se voir très très bientôt à tous les autres candidats, je veux dire. Donc nous sommes arrivés aujourd'hui, là maintenant à la fin de... du Salon Férine 2020. Je voudrais remercier tout un chacun d'entre vous ici présents, remercier tout un chacun d'entre vous derrière vos écrans qui avait su, par votre engouement, par votre mobilisation, par votre participation, rendre ce salon réellement, je ne sais pas dire un succès, mais je vais dire en tout cas ça s'est bien passé. Parce qu'on ne peut pas danser et s'apprécier à la fois. Vous nous direz si ça a été effectivement un succès et si ça vous a plu. Mais en tout cas, nous avons senti de l'engouement derrière. Nous avons senti quand même qu'il y a eu un désir ou un besoin d'accompagnement, de soutien à l'endroit de l'association et de l'organisation. Donc, mes remerciements vont également aux partenaires qui ont eu confiance en l'association Terreau Fertile et qui ont voulu accompagner cette initiative. Ça fait la deuxième édition que nous organisons. Et je ne vais pas dire que ça a été facile de mobiliser les partenaires, surtout en ces temps difficiles de Covid que nous vivons. Mais nous avons quand même eu des gens qui ont cru en nous. Et c'est justement pour faire porter l'espoir à tout un chacun d'entre nous, pour nous dire que même dans les moments difficiles, il y a quand même de l'espoir. Malgré les temps difficiles, nous avons eu à traiter également le problème le sujet de la résilience. Je pense que c'est un des éléments de notre résilience qui nous amène à pouvoir réussir. Donc, quelque part, c'est encourager les uns les autres que malgré les situations difficiles, il faut avoir l'espoir que ça va aller et que ça va continuer. Donc, merci à tous les partenaires qui ont cru en nous. Je voudrais citer par là notre partenaire officiel, le PNUD, dont le représentant, M. Aoukou, est ici. Nos autres partenaires tels que l'Office Togolais des Recettes, également représenté ici par M. Obosu. Nous voudrons remercier également la Chambre du Commerce et d'Industrie du Togo. Nous voudrons remercier également la compagnie Oil qui nous a également accompagnés, dont vous avez vu les chèques de carburant qui ont été offerts. Et je précise qu'ils ont octroyé des cadeaux et des chèques de carburant aux trois lauréats, suivant leur niveau de la catégorie, les différentes catégories dans lesquelles les candidats ont été nommés. Je remercie également le groupe Bolloré pour son accompagnement en cette année, qui nous a accompagnés, qui était membre du jury. Il y a eu un représentant qui était membre du jury passé, du précédent, du jury 2 précisément. Nous remercions également Maers, qui était un de nos partenaires, Ecobank, Togocom, grâce à qui les votes SMS ont été possibles, justement pour le vote du public. Donc vraiment, l'accompagnement technique de Togocom est à saluer ici. Également pour les forfaits Internet qu'ils ont mis à disposition pour permettre à ce que les gens puissent se connecter à moindre coût. Ce n'est véritablement pas facile, mais c'est louable comme vraiment accompagnement qu'ils aient eu à faire. Nous remercions également la SALT, qui n'a pas manqué, il a promis l'année dernière, parce qu'il n'étant pas au courant, de nous accompagner cette année, mais qui l'a fait, qui a tenu promesse effectivement. Donc nous les en remercions. Nous remercions la NVT, nous remercions Aura Bank, hein, qui était également un de nos partenaires au cours de cet événement. Nous remercions Sogenet, Awalbiz, Nunia Lab, PNPER, Global Trade Corporation, IME House, l'agence Laurier, le groupe Synergie, Diwa International
ENIA Créative. Donc vraiment, tous ces partenaires, nous vous disons merci, merci, merci beaucoup. Pour faire un petit résumé, je pense que le temps est un peu avancé, l'heure est avancée. Pour faire juste un bref petit résumé de ce que nous avons pu vivre en ces deux jours, je voudrais commencer activité par activité, mais je vais être très succincte. Nous avons eu la première activité qui était la conférence inaugurale, ou qui nous a mis dans le bain du sujet, qui était l'homme au cœur de la croissance économique et du développement durable. Donc cela nous avait été présenté par M. Akaya, qui est conseiller économique et financier du Premier ministre du Togo. Et donc, il nous a permis de pouvoir comprendre les définitions des termes développement durable, capital humain, et également qu'est-ce que c'est que la croissance économique. Donc ce bain nous a été donné. Nous sommes rentrés directement avec le premier panel qui a eu la présence de M. Dia, représentant du PNUD, résident du PNUD, avec la chef de la coopération allemande, Mme Prising, ainsi que de M. Gouton et de M. Si je ne me trompe pas, de Mme Nakpapolo, qui ont eu à échanger sur la thématique de l'investissement dans l'humain. L'investissement dans l'humain, et même quand nous sommes là, il faudrait reconnaître que c'est parce que nous avons investi dans l'humain. L'humain a un potentiel, une capacité incroyable. Donc, le fait de les échanges nous ont fait ressortir que l'humain est indispensable à toute croissance, est indispensable à toute chose, et il est au cœur de toute action. Et de toute activité économique d'ailleurs. Donc, les sujets ont été très denses et nous avons eu à véritablement partager. Je pense que cette action de l'humanisme et de l'humanité mise au cœur de toute chose permet de faire ressortir certaines valeurs telles que la solidarité, telles que effectivement la résilience que nous avons pu voir dans le troisième panel qui a eu lieu aujourd'hui avec l'imminente présence du ministre Kaku Nobokpo, du commissaire général de l'Office togolais des recettes, de M. Dev Chamoureau, qui était un consultant de la cellule climat des affaires, de M. Ezu et de Mme Higué. Donc, véritablement, aujourd'hui, le sujet de la résilience nous a permis de pouvoir véritablement comprendre qu'est-ce que la résilience, pourquoi la résilience et comment est-ce qu'on arrive à pouvoir travailler cet aspect-là de nous. Et donc, c'est un caractère, il a été ressorti que c'était un caractère intrinsèque à l'homme et qu'il fallait le travailler pour pouvoir véritablement être dans un milieu qui, certes pas facile, mais avec lequel nous devons nous adapter au fur et à mesure. Donc, le deuxième sujet qui parlait de la consommation locale était un sujet vraiment qui a suscité beaucoup de débats et qui avait été animé par Mme Higué aussi. Et ce sujet nous a fait comprendre l'intérêt de consommer local. Et aujourd'hui, même lors de notre interview, il y a eu les différents panélistes, si vous avez vu, ils ont pu mettre en avant également la nécessité de faire produire local. Parce que le concours Tiferti, l'objet même, c'était ça, c'est de susciter une certaine émulation entre les jeunes pour comprendre qu'aujourd'hui, dans la dynamique dans laquelle nous sommes, il faut sauter sur l'occasion. Il faut profiter de l'occasion, profiter de l'opportunité que nous offre cette dynamique où nous avons tous compris qu'effectivement, il faut rentrer dans le consommer local, le produit local, la production locale. Donc, c'est vraiment une incitation à tout un chacun de se mettre à disposition pour saisir cette niche-là qui nous est offerte de pouvoir produire localement et consommer localement. Mais de travailler également à ce que nos produits aient les certifications nécessaires, aient les qualités nécessaires afin d'être appréciés. Donc, il était important que ce sujet-là soit discuté parce que nous sommes dans le mois de la consommation locale, mais j'espère que ce ne sera pas juste un mois de la consommation locale, mais que ce sera le restant de nos jours de la consommation locale. Nous avons eu des talk shows également. Le premier qui a été animé par Madame Océane Kodia, qui avait eu la présence de panélistes comme Madame Grace Wallace, de Madame Quinté, de Monsieur Letif Agoro, de Monsieur Ghislain Awaga et d'Adama Koudou, qui nous ont expliqué comment ils sont devenus quand même des champions du secteur privé, parce que eux tous ont cet élément commun qui est le fait qu'ils sont des champions du secteur privé. En tout cas, ils ont quand même fait leur preuve dans le secteur dans lequel ils exercent. Donc, tous les talk shows et les différentes activités sont sur le site internet que vous pouvez véritablement écouter. Le quatrième panel a parlé de la transformation digitale. Aujourd'hui, nous sommes ici et qu'il y a des milliers de personnes qui nous regardent au travers du monde. C'est pas
qu'il y a eu le digital que nous avons mis à contribution. Donc, c'est un élément qu'il faut faire ressortir. Donc, le digital est important, le digital est nécessaire, le digital est indispensable. Et donc, reconnaître sa valeur et sa place au milieu de nous est essentiel pour que nous puissions vraiment nous reposer dessus pour pouvoir avancer et évoluer. Le dernier panel qui a parlé de Covid, le Covid justement qui a fait que nous sommes dans cette disposition, puisque l'année dernière nous étions au Palais des Congrès avec près de 2000 participants. Donc les circonstances ou le contexte était une des thématiques également au centre de ce Salon Férine 2020, avec également le plan national de développement, quel est l'impact que cela a eu dessus. Les imminents panélistes et modérateurs qui ont eu à animer ce panel-là nous ont fait ressortir les défis et les réalisations ainsi que les stratégies qui ont été mises en œuvre pour pouvoir vraiment, malgré les circonstances du Covid, aller à la réalisation du plan national de développement. Donc, voilà en résumé au fait ce que nous avons pu vivre en ces deux jours. Ces deux jours qui sont certes courts, mais qui ont été très intenses. Je voudrais, par la suite de mes remerciements, parce que je n'avais pas fini, dire un grand et sincère merci à toute l'équipe d'organisation. L'équipe d'organisation, l'équipe technique qui a œuvré pour que, si vous avez remarqué, il n'y a pas eu beaucoup d'incidents techniques. Hein. C'est rare. Donc j'apprécie véritablement l'apport de ces techniciens qui ont mis en œuvre leurs compétences pour pouvoir permettre cela. Donc bravo à toute l'équipe technique. Ils baissent la tête, ils font comme s'ils ne m'entendent pas. Jacques, bravo à toi et à ton équipe. Madame Eugénie, qui a eu à planter le décor et tout ce que vous voyez qui a permis à ce que nous puissions être dans un cadre assez convivial. Madame Eugénie Haï, bravo à elle. Et j'espère que en anglais on dit the last but not the least. Donc le dernier mais pas le moindre. Voilà. Donc je voudrais sincèrement remercier toute l'équipe de Terreau Fertile qui a œuvré depuis, vous ne pouvez même pas savoir quand. Vous ne pouvez pas savoir depuis quand ce travail a commencé. C'est vrai que ça se voit simple comme ça, mais tout le travail qu'il y a eu derrière, vraiment sans l'équipe, on n'aurait pas pu y arriver. Et je voudrais sincèrement appeler ici sur le plateau, commençant par Linda. Bravo. Qui s'est chargée de la communication, qui a vraiment géré de main de maître cet aspect-là. Nous allons continuer avec M. Joseph Atakba, qui a été le coordinateur de toutes les activités. Bravo à toi, Joseph, et merci encore. Je vais enchaîner par M. Godwin, qui a été au niveau de ressources informatiques et de gestion des aspects techniques. Bravo. Ensuite, appelé sur la scène M. Mewé, qui a été véritablement un champion au niveau de la comptabilité et du décaissement des coûts. Nous allons remercier également Madame Jeanne, surnommée autorité, l'autorité compétente, qui nous a aidé dans l'équipe concernant le sujet de la restauration de l'organisation matérielle. Bravo à Monsieur Georges, qui était avec nous en appui technique et logistique. Bravo à Martin, qui était là en appui à la communication. Bravo à Fiacre, qui était effectivement là également à la communication et au concours, à l'organisation du concours Tipertine. Bravo à M. Willy, qui a travaillé sur la plateforme de vote en ligne, justement pour le concours Tipertine aussi. Bravo à Mme Rachida, qui a appuyé la comptabilité avec lequel... nous avons pu gérer les finances pour la réalisation de cet événement. Bravo à Nikita, que j'appelle sur scène. Bravo à Birénam, qui s'est joint à l'équipe par la suite. Nous allons dire, il y a d'autres personnes qui montent. Il y a Charles, Prince, qui doit vous rejoindre là. Et je vous...
voudrais aussi remercier l'équipe qui a assuré la couverture médiatique ou photographique et vidéo de cette édition en la personne de Madame Victoire, qui a une compétence aussi. Bravo, bravo. Donc, toute l'équipe, vraiment, c'est grâce à vous. Quand vous voyez Terreau Fertile, c'est toutes ces personnes-là qui ont travaillé. Je voudrais vraiment, avec vous, qu'on puisse les applaudir et les féliciter pour tout ce qu'ils ont produit comme résultat. Bravo à vous. Bravo à tout un chacun. Bravo et merci aux différents soutiens qui ont été avec nous, qui nous ont appuyés. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire, si vous avez quelque chose à rajouter. Si vous voulez une action. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de. Juste on a peut-être une musique. Ah, mais ils ont une musique. D'accord, très bien. Ils n'ont rien à dire, mais ils ont effectivement une musique. Non. Mais cette édition a été 100% digitale. En attendant la musique pour l'équipe de Terreau Fertile, cette édition a été 100% digitale et elle a permis à ce que nous puissions réaliser cette édition-là de Terreau Fertile. Nous allons vous dire merci à vous tous qui avez été derrière vos écrans. Je pense l'avoir déjà dit, mais je vais encore insister là-dessus. Merci à vous tous les internautes qui avez été connectés sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Zoom et sur Google Meet, évidemment. Donc, merci, 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 merci du fond du cœur à vous tous. Bravo à toute l'équipe. Et sous vos applaudissements, on va raccompagner. On va. And this is the life that we chose. We're burning in the Holy Ghost. Higher we go. We will never stop beyond. There's a spirit that's alive in me. The spirit of the Lord. And it's taking me to levels me I've never been before. I got joy like a river. Chopping light like a pizza. Cause I'm bigger, bigger. I'm bigger, 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 yeah. We know who we are. We are born of God. Oh, we know what to do. We have the future. Success louder, oh. Bigger and bigger, what we got is realer than real, and we are on fire. And this is the life that we chose. We're burning in the Holy Ghost. Higher we go, we will never stop beyond. Ce salon qui a rassemblé tout un merveilleux monde ici au Togo, également au-delà de nos frontières. Un salon qui salue justement l'entrepreneuriat, qui a accompagné les jeunes entrepreneurs
au travers même de ce concours si fertile. Un salon qui a été orchestré de main de maître par la présidente de l'association Terreau Fertile, Madame Bileyo Danko, que je salue ici. Et également, j'en profite pour remercier tous ceux qui y ont participé de loin, de près. Et remercier également cette magnifique équipe derrière moi qui a travaillé nuit et jour pour vous offrir un magnifique salon, une deuxième édition extraordinaire. Nous allons donc clore en beauté avec une superbe musique choisie justement pour faire plaisir à cette équipe. Et nous remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait parce qu'il a encore fait des merveilles. On se dit à la troisième édition et on espère que cette fois-ci ce sera du vrai, ce sera du live et qu'on ne serait plus sur le digital. On l'espère, on croise les doigts. Mais pour l'heure, nous allons danser. Merci à la régie pour cette superbe réalisation. Et une fois encore, bonne fête et bonne fin du Salon Ferrine deuxième édition. I'm getting bigger, every day I'm a giver. Pastor Krishna, my father. So I said to the pen, it's over. Hey, up what you coop and the ram and I go eh, God did you hover and I come now for eh, man, I told to eh, man, I ask it, God did you hover, come ne boo. I said, no, dear easy, man, I this year them go surely see the difference between the liquid one and the Pharisee. Up what you coop, been in, no, so you go, I can no, if all money, you come eh, up what I'm doing. Not by power, not by might, but by the spirit of the living God. Oh, anything is possible, bigger than we used to be. We have moved, I say we have moved. Oh! No limitations, we're getting bigger.